Bonjour à tous et merci de se retrouver ici pour cette cinquième édition des Rencontres de la Recherche et de l'Innovation. Cet événement, évidemment, au rendez-vous du territoire des Hauts-de-France, à l'initiative de la région Hauts-de-France, animée par HDFID, Hauts-de-France Innovation et Développement. Aujourd'hui, nous sommes au Quai de l'Innovation à Amiens pour une semaine ô combien chargée d'événements. Au total, c'est 15 événements sur le territoire des Hauts-de-France qui évoquent évidemment tous les projets innovants de recherche, d'entrepreneurial, bref, toute la dynamique que nous avons la chance d'avoir sur notre territoire. Alors aujourd'hui, une journée dédiée à la santé, à la nutrition, avec le thème « L'ère des nouvelles technologies au rendez-vous ». On va voir si c'est bien le cas et à quel point ça prend une place importante sur notre territoire, en particulier ici à Amiens. Cette journée est organisée avec beaucoup de pilotes, entre autres, vous avez Amiens Métropole, le CEA Tech, le Clubster NSL, Eurasanté, la Chambre de commerce d'Amiens Picardie et Amiens Cluster. Alors pour démarrer,
démarrer cette matinée avec vous, et évidemment en direct, soit en présentiel ou soit en distanciel, si vous êtes avec vous, avec nous derrière votre écran sur Livestorm, eh bien, on a la chance d'avoir ici à côté de moi Monsieur Alain Geste, le président d'Amiens Métropole. Déjà, merci de nous recevoir. Hein, c'est un endroit fantastique. Bonjour à toutes et à tous. Professeur, bonjour. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir ici. C'est quasiment un honneur d'ailleurs d'accueillir ces rencontres qui se sont effectivement imposées en quelques années comme le lieu de l'innovation et de l'entreprise dans notre région. Je salue l'initiative du Conseil régional qui se poursuit depuis quelques années. D'une certaine façon, le quai de l'innovation où nous sommes ce matin n'a jamais autant mérité son patronyme. Et depuis 2014, nous y avons fait de la recherche et de l'innovation le moteur d'une politique dédiée au numérique, à la santé et à l'énergie par le biais d'Amiens Cluster que nous avons créé il y a maintenant 4 ans, un peu plus de 4 ans. Dans lequel il y a, entre autres, occupation, avoir le développement d'incubateurs et d'accélérateurs pour des petites entreprises qui se créent chez nous et qui sont justement dans le domaine de la recherche et de l'innovation. Nous avons voulu que toutes les énergies puissent y trouver le lieu de leur épanouissement et de la concrétisation des projets. On ne crée pas des filières d'excellence, chacun dans son coin. C'est en confortant les idées, pourquoi pas les rêves les plus fous, les ambitions qui paraissent les plus irréalistes, que finalement on parvient à faire naître des projets qui peuvent transformer la vie des citoyens. À Amiens, dans cette agglomération si riche en étudiants, 32 000 étudiants cette année, nous avons voulu que chacun puisse faire fructifier ses recherches dans un écosystème qui lui soit le plus favorable possible. Avec une université de Picardie Jules Verne qui se développe toujours, avec une école de commerce qui a retrouvé un second souffle, une école d'ingénieurs dont l'attraction ne cesse de s'amplifier, nous avons déjà relevé une partie de notre pari. La santé est l'honneur de ce millésime. Avec la région, nous accompagnons les projets de Simu Santé, de l'Institut Fairface, du Gréco et plus récemment de Précidiab. Vous aurez, je crois, à traiter de ces sujets ou vous les évoquerez dans la matinée. La santé, donc, vous avez choisi de croiser au cœur de vos réflexions et de vos échanges la question de la santé et de la nutrition. Nous ne pouvions que nous en réjouir, nous avons lancé récemment le plan d'alimentation territoriale pour répondre aux défis de l'avenir nutritionnel de nos concitoyens. C'est peu dire que notre territoire et notre région ont un rôle essentiel à jouer en la matière. Nous accompagnerons tous les projets innovants qui pourront concourir à réduire les circuits d'approvisionnement, à aider les agriculteurs à moderniser leur activité et à permettre de faire accéder le plus grand nombre à une alimentation de qualité. Toutes ces démarches prennent sens aujourd'hui dans le schéma métropolitain d'enseignement supérieur de recherche et d'innovation que nous allons arrêter le 14 décembre prochain, le 16, pardon. Nos efforts sont consacrés par l'arrivée de nouvelles entreprises et la création d'emplois qui les accompagnent. Les derniers en date, vous en avez sans doute entendu parler, concernent Unitaire, une entreprise qui est numéro un mondial des conditionnements pharmaceutiques en unidose et qui a bénéficié d'une aide considérable de l'État, 34 millions d'euros, pour investir le double et à la clé fabriquer en quelque sorte des vaccins unidoses et créer à terme 200 emplois supplémentaires qui s'ajoutent aux 400 qui existent déjà dans l'usine d'Amiens qui est à l'origine de cette société. Donc, c'est vous dire combien nous comptons beaucoup sur le secteur de la santé en l'accompagnant pour trouver de nouveaux développements, de nouveaux emplois. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis toutes ces politiques en place. Et puis, nous attendons, pourquoi ne pas le dire, de vos échanges, que cela inspire des volontés de mobiliser des énergies et peut-être
permettre encore à notre agglomération non seulement de demeurer parmi les pôles des filières d'excellence, mais surtout un territoire toujours plus attractif. Alors, on compte sur vous et cette matinée de travail me semble extrêmement importante. C'est vous dire que c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité nous associer à cette matinée et je souhaite évidemment des travaux très fructueux à l'ensemble des participants, qu'ils soient ici sur place, qu'ils bénéficient de la qualité de l'équipement ou qu'ils soient en visioconférence. En tout cas, très belle journée à vous. Merci beaucoup, Monsieur Alain Geste, président d'Amiens Métropole, pour votre dynamique. Hein, vous avez parlé évidemment de beaucoup de points d'intérêt qu'on va porter durant cette matinée. Et super, parce que évidemment, on a des profils extrêmement variés, que ce soit de jeunes chefs d'entreprise, de la start-up, de capitaines d'industrie, de chercheurs, de professeurs en santé. On a beaucoup de nouveautés également à vous présenter durant cette matinée. Alors, évidemment, on va essayer de créer un peu d'appétence à la création de projets liés au domaine de la santé et de la nutrition. Tout cela à travers trois temps forts. Le premier, eh bien, on va découvrir toute l'importance de la technologie au service de la santé. Le deuxième, quelques success stories au rendez-vous. Et puis parfois, quand on est porteur de projet, on a besoin d'avoir un profil, comment s'adresser à toutes ces structures dont vous faites partie, avec lesquelles on peut créer soit de l'emploi, soit des projets innovants sur notre territoire des Hauts-de-France et d'Amiens. Donc en cela, on va vous donner quelques conseils avec quelques exemples également qui ont réussi, notamment l'aventure européenne. Eh bien, je vous propose de démarrer le premier temps fort, comment l'innovation se met au service de la santé. C'est parti. Avec nous, on va accueillir sur ce plateau Olivier Duclos, directeur du CEATech Hauts-de-France, le professeur De Vauchel Bernard, professeur émérité de l'Université Picardie-Jules Verne, président de l'Institut Fairface, Madame Béatrice Jabot, coordinatrice pédagogique administrative du CMU Santé, directrice de soins, coordinatrice des écoles et des instituts du CHU d'Amiens Picardie, et le professeur Richard Gouron, professeur de chirurgie orthopédique et traumatologique pédiatrique au CHU d'Amiens Picardie et représentant aussi du Gréco, et Jessica Chiraud qui est chef de projet au CICIT. Alors merci d'être tous avec nous sur ce plateau. On va démarrer ce temps fort sur l'importance de la technologie qui est de l'innovation qui est au service de la santé. Je vous ai présenté les premiers acteurs de cette table ronde de qualité. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir aussi, vous qui êtes derrière l'écran, qui vous êtes. Alors, vous avez cette possibilité-là, que vous soyez en salle ou derrière votre écran, on va vous mettre un QR code à l'image avec cet outil qu'on appelle Bicast. Maintenant, c'est bien. Avec les conditions sanitaires actuelles, on sait tous scanner un QR code et vous allez vous retrouver automatiquement sur une interface sur votre téléphone ou votre ordinateur qui vous permettra de répondre à cette question toute simple. Qui êtes-vous? Pour ça, on a créé plusieurs choix. On saura ainsi qui nous suit derrière l'écran ou celles et ceux qui sont avec nous dans la salle. Alors, on va vous laisser le QR code le temps largement de venir scanner ce QR code en question. C'est le moment de sortir les téléphones. Et sachez-le, à tout moment, dans le courant de la matinée, vous allez avoir la possibilité d'échanger avec nous. On utilise l'outil LiveStorm pour ces conférences en live. Vous avez sur votre droite de l'écran un onglet questions. Eh bien, n'hésitez pas à tout moment, quand vous le sentez, vous posez les questions. Si vous avez parfois des mots qui vous sont compliqués, des projets que vous n'avez pas compris, eh bien, partagez-le. On veut au maximum être didactique tout au long de cette matinée. Donc, partagez un peu cette expérience et n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la matinée avec l'onglet questions. En l'entendant, vous avez probablement scanné le QR code. Vous avez été déjà quelques-uns à le télécharger. On va peut-être vous le remettre et peut-être avoir les premiers résultats avec la régie, les équipes techniques qui sont avec nous. Je rappelle les plusieurs choix. Vous êtes soit étudiant, soit porteur de projet, entreprise, chercheur, institutionnel, personnel de santé ou autre. Alors, on a les premiers résultats qui apparaissent à l'écran. Vous êtes à peu près un peu moins de 20% d'étudiants, de porteurs de projets aussi à peu près un peu moins de 10%, des entreprises aussi avec nous, des chercheurs aussi, on a la représentation du domaine institutionnel au sens large, du personnel de santé, structure d'accompagnement et autres. Alors, ce qui est intéressant pour celles et ceux qui ont répondu autres, mettez-nous dans le chat ou dans de LiveStorm quel type, quelle est la catégorie qui
peut correspondre à vos domaines de compétences ou d'activités. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a finalement une belle répartition de ce qui est attendu pour ces rencontres de la recherche et l'innovation des étudiants, des entreprises, du monde académique, des chercheurs, des professionnels de santé qui sont avec nous et surtout des porteurs de projets. Bon, soyez les bienvenus, ce qui va aider évidemment à alimenter nos discussions puisque vous savez désormais à qui vous vous adressez tout au long de cette journée. D'ailleurs, j'ai envie de faire un premier tour de table ronde sur l'intérêt de... Est-ce que pour vous, ça a du sens, vous, professeur de Vauchelles, de mettre l'innovation au cœur de la santé? Est-ce que ça a du sens de ce type de thème pour démarrer? Je pense que le lieu dans lequel nous nous trouvons, déjà, est hautement symbolique. Enfin, ce lieu d'innovation créé au sein de la capitale ex-Picardie, n'est-ce pas, est un lieu que nous avions inauguré d'ailleurs avec un premier congrès il y a quelques années à IDT, qui réunissait effectivement des chercheurs et des gens investis dans les nouvelles technologies. Alors aujourd'hui, oui, c'est tout à fait passionnant que de réévoquer cette question avec peut-être cette réflexion qu'on se doit d'avoir en termes de relations spécifiques qu'il pourrait y avoir entre la santé. Est-ce que la santé est un domaine spécifique dans lequel le monde de la technologie se doit d'avoir, comment dirais-je, doit s'impliquer? Bien évidemment, il participe au progrès dans le domaine de la santé ou de l'alimentation, puisque vous évoquez également la question de l'alimentation. Mais comment peut-être il doit y avoir une réflexion particulière, cette rencontre entre le monde de la technologie, le monde numérique et le monde biologique, qui a ses propres spécificités, et nous sommes en train de le vivre avec la crise pandémique que l'on a aujourd'hui. Et je crois que cette réflexion, elle doit être menée dans les deux sens. S'il doit y avoir croisement, s'il doit y avoir effectivement aide de la part de l'un vers l'autre, n'est-ce pas, il doit y avoir aussi prise en compte de cette spécificité. Alors, ça va servir de point de départ, justement, pour alimenter peut-être nos discussions ensemble, parce que j'ai aucun doute que vous avez tous une réaction par rapport à cela, sur cet intérêt de parler d'innovation, ce que ça va être au cœur de la santé, notamment l'innovation technologique, le lien aussi avec le monde biologique. Et si vous avez raison, on est dans un sujet d'actualité. Et je vous propose de commencer avec vous, monsieur Olivier Duclos. Vous êtes directeur d'ICEATech Hauts-de-France. Peut-être expliquer en quelques mots, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, je pense aux étudiants, porteurs de projets, éventuellement qui nous suivent, ce que représente le CEATech. Alors, le CEATech, c'est une partie du CEA. Le CEA, c'est le Commissariat à l'énergie atomique. C'est un laboratoire de recherche appliquée qui a des activités dans le domaine du nucléaire historiquement, mais qui de plus en plus s'oriente vers des contrats en partenariat très fort avec l'industrie et aussi avec le monde de la recherche. Moi, je souscris totalement à ce qui vient d'être dit. En fait, c'est à l'interface entre le domaine de la technologie et le domaine de la santé qu'on va réussir à faire émerger des innovations de rupture, et c'est très important, à la fois pour le développement économique et puis aussi pour la société. Chacun son domaine. Le domaine de la santé, c'est un domaine qui a ses propres méthodologies, ses propres expertises, qui travaille avec le vivant. Nous, en tant que technologues, on apporte des solutions qui sont des outils. Donc, dans ce cadre-là, en fait, le CEA travaille avec des acteurs de la santé, mais il ne se considère pas lui-même comme un acteur de la santé, puisqu'en fait, ce n'est pas sa spécialité. Nous, on est des apporteurs de technologies au service des laboratoires spécialisés dans ce domaine-là. Alors, ce qu'on fait, nous, je voulais vous donner un espèce de panel d'exemples de projets qu'on a en cours aujourd'hui, CEA, dans le domaine de la santé, avec des acteurs situés en Hauts-de-France, sachant que le domaine d'activité du CEA, ça va être le nucléaire, l'énergie de manière générale, donc en particulier l'hydrogène, ça c'est pour une autre session des RRI, le recyclage, et puis les systèmes numériques, en particulier la robotique et puis la réalité augmentée. Ce qu'on fait nous en Hauts-de-France avec les acteurs de la santé, moi je le divise en trois grandes parties. On a les activités dans le domaine de l'imagerie. Donc dans le domaine de l'imagerie, en fait, il ne faut pas oublier qu'au CEA, on vient de faire un beau fait marquant national. On a sorti, on a développé un électro-aimant à très très fort champ, 11,7 Tesla, dans le cadre d'un projet binational franco-allemand. L'objectif étant de fabriquer et mettre en œuvre l'IRM le plus précis du monde, avec des précisions autour de 100 à 200 microns. Donc ça, c'est un projet national. C'est un bel exemple du positionnement du CEA. On est allé chercher les experts spécialisés dans la conception, le développement d'électro-aimants à fort champ pour les accélérateurs de particules. Et ça, ça a été mis en œuvre dans le cadre de partenariats de recherche sous financement public avec des acteurs académiques, comme par exemple l'Université de Fribourg. D'accord ? Ce qu'on fait aujourd'hui dans le domaine de l'imagerie avec des acteurs en Hauts-de-France, et en particulier avec des acteurs à Amiens, c'est un beau projet qui a été permis d'ailleurs et financé par le Conseil régional, par l'Europe. L'objectif étant de mettre en place de nouvelles modalités d'imagerie du fonctionnement du cerveau,
Donc c'est de la magnéto-encéphalographie, on vient mesurer le champ magnétique émis par le cerveau, avec des capteurs qui ont été développés historiquement au CEA pour les missions spatiales. Donc c'est des acteurs, c'est des magnétomètres qu'on appelle à pompage optique, donc c'est de la très très belle technologie, qu'on avait l'habitude de faire fonctionner dans le domaine spatial à un ou deux magnétomètres. Et pour nous, le challenge technique dans le cas de ce projet, c'est de les mettre en réseau pour arriver à fabriquer un casque dans lequel on va mettre 5, voire 24, voire une centaine de capteurs ensemble pour permettre de faire de l'imagerie. Qu'est-ce que ça apporte, ça, au domaine de la santé? Et bien, c'est typiquement en fait des nouvelles modalités d'imagerie du cerveau qui sont a priori bas coût, donc plus bas coût que ce qu'on a aujourd'hui disponible, et qui permettent de faire du diagnostic, potentiellement pour aller vers le diagnostic de l'épilepsie pour les adultes. Et puis pour Amiens, typiquement des activités autour des problèmes de fonctionnement du cerveau pour en prénatal et en postnatal, en particulier avec le professeur Fabrice Valois. Donc c'est un beau projet. Les acteurs de ce projet, c'est l'Université Picardie-Jules Verne, l'Université de Lille, je vais les citer parce que c'est important, l'INSERM, le CHU d'Amiens, le CHU de Lille, et le CEA. Et je pense qu'il y a eu un accompagnement européen pour le développement de ce projet. Hein, Saint-Fédère, je pense, ouais. qui a permis la réalisation de ces capteurs, ces nouveaux capteurs d'aide au diagnostic. C'est déjà en développement? Alors, les premiers capteurs vont être livrés bientôt. On a fait des premières images à Bruxelles qui donnent de bons résultats. Et puis, on fera un bel événement courant 2022 pour montrer à tout le monde les résultats qui auront été obtenus dans le cadre de ce projet. Et puis, c'est un projet qui va continuer sur le long terme puisqu'on a déjà obtenu du financement pour continuer à travailler ensemble. Une très bonne nouvelle. Alors, il y a beaucoup d'exemples. On avait parlé aussi de technologie wearable. Alors, la deuxième typologie de projets qu'on monte aujourd'hui avec des acteurs en région, c'est tout ce qui va être les systèmes intelligents portés par la personne et puis implantés. Alors, on a des activités de CEA avec des partenaires industriels dans le domaine des implants, en particulier des implants connectés ou des systèmes portés par la personne et qui permettent de suivre l'activité de personnes et faciliter leur prise en charge, en particulier en rééducation. Donc dans ce cadre-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on instrumente par des systèmes médicaux, des orthèses, on instrumente en fait des chaussures, en particulier avec l'Institut Opal, dont un des sites est situé à Berck, pour permettre de faciliter la prise en charge de patients à domicile. Une autre activité qu'on a montée avec l'INSERM à Lille, c'est la mise en place de patchs, de micro-aiguilles, qui permet de faciliter le transfert de molécules actives à travers la peau. L'objectif étant, dans ce projet-là, de faciliter la prise en charge du cancer de la peau. Alors, ce qui est intéressant à travers les différents exemples que vous nous montrez, c'est à quel point on a une solution technique, technologique, hein, une expertise. Et ce qui est intéressant, c'est voir à quelle place vous vous situez dans cette approche vis-à-vis des professionnels de santé que nous avons ici avec nous. Vous connaissez tous, je suppose, le CEATech. Est-ce que vous travaillez en collaboration, peut-être, chacun on va faire ce petit tour de table, professeur de Vauchel. Oui, enfin, on a une collaboration très très précise avec le CEA LIST, et depuis un certain nombre d'années avec un certain nombre de projets. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, en définitive, à travers ce projet qui nous permet de donner, alors éventuellement à un robot, une dimension haptique, cette capacité de sensibilité, de retour de force, n'est-ce pas? Eh bien, on en est arrivé à développer un partenariat avec Simu Santé. Je veux dire que comment, là aussi, et ça c'est tout à fait original, une technologie mise au point dans un laboratoire de recherche, non seulement nous permettra peut-être secondairement d'intéresser tel ou tel industriel pour développer, pour un usage effectivement d'apprentissage, mais comment aussi ça nous a permis de réunir des équipes de recherche ici au sein du secteur santé, au sein de l'UPJV et au sein du CHU. Absolument, c'est un excellent exemple. C'est le troisième projet dont je voulais parler, effectivement. C'est la mise en place d'outils robotiques avec des interfaces haptiques, donc des illusions tactiles qui permettent de faciliter l'apprentissage des gestes médicaux pour les praticiens de santé. Et dans ce cadre-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va livrer aux partenaires du domaine de la santé des outils qui leur permettent de continuer à faire de la recherche. Donc on se situe vraiment dans ce cadre-là en tant que partenaire, fabricant et fournisseur d'outils. Voilà, Madame Jameau, vous connaissez aussi le CEATech, vous avez des projets en lien pour Simu Santé, évidemment. Et Monsieur Gouron, on a parlé beaucoup de robots, là, c'est aussi un sujet avec le Gréco qui vous travaillez aussi en collaboration. Pas encore en direct, mais par l'intermédiaire des différents laboratoires qui constituent le Gréco, bien entendu, donc le laboratoire Chimère, le professeur de Vauchel et Madame Testelin, et puis Simu Santé, qui sont deux des gros piliers du Gréco.
Alors, je vous propose de découvrir évidemment l'ensemble des intervenants qu'on a la chance d'avoir autour de cette table. N'hésitez pas évidemment à poser vos questions si vous êtes derrière votre écran ou en salle. Je vous rappelle que vous avez des micro-salles à disposition avec nos hôtesses. Il y a Ilana qui est avec nous, qui est ravie de vous accompagner et qui vous propose d'éventuellement poser et d'échanger si vous avez des questions qui sont avec nous. Je vous propose de découvrir avec le professeur de Vauchel qui est avec nous. On vous connaît bien puisque en 2005, vous avez, avec les équipes qui vous accompagnent, de chirurgie maxillofaciale, vous avez réalisé la première mondiale en accomplissant pour la première fois une greffe partielle du visage. C'était un point marquant, évidemment très médiatisé, de ce moment de vos travaux avec vos équipes ici sur le CHU d'Amiens. Et c'était le point de départ également d'une réflexion, alors le point de départ de démarrage de l'Institut Fairfast, en tout cas dans vos esprits. Alors expliquez-nous comment tout ça, cette aventure humaine, elle a démarré. Oui, je pense qu'on pourrait parfaitement faire la comparaison entre ce qui a été effectivement un moment de rupture dans le domaine de la chirurgie reconstructrice, qui était notre vie, et notre vie d'universitaire et de chirurgien, et comment effectivement ça nous a à la fois ouvert vers d'autres disciplines, d'autres champs disciplinaires, et comment nous nous sommes sentis en devoir, à partir du moment où les feux de l'actualité étaient tournés vers nous-mêmes et vers la ville, comment il fallait essayer en quelque sorte de transformer l'essai. Et nous avons fait ce que d'autres ont fait en leur temps, je pense au professeur Maresco à Strasbourg, qui, au décours d'une première chirurgicale, s'est senti le devoir de transformer cette première et de créer un institut de recherche à Strasbourg qui aujourd'hui s'est internationalisé. Et c'est exactement ce que nous avons souhaité faire. Alors, et nous avons souhaité le faire avec l'aide effectivement de financements d'État, de financements régionaux importants et de fonds FEDER, ce qui permet à ce moment-là de concentrer autour d'une thématique particulière un certain nombre d'acteurs, dont effectivement la ville, un certain nombre d'institutions, la région toujours, autour donc d'une recherche centrée autour de la défiguration, qui est la thématique générale, mais qui bien évidemment va mettre le doigt sur des tas de domaines particuliers. Alors là, on les a évoqués tout à l'heure, la robotique chirurgicale, et aussi avec la perspective, notamment dans des collaborations avec l'UTC, dans des collaborations avec le CEA, des perspectives de, comment dirais-je, de valorisation à travers un partenariat industriel. Et je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé au moment où le bâtiment va enfin s'ouvrir après de longues années de gestation et qui va mettre à disposition une plateforme dont on va se servir nous pour la recherche, mais qui sera mise également à disposition des industriels. Je veux dire que la relation que l'on a, elle est double. Elle est une relation de valorisation d'un travail de recherche, mais elle est aussi la mise à disposition de compétences de chercheurs pour des industriels dans des domaines particuliers. Nous avons la chance dans les Hauts-de-France, effectivement, d'avoir là des partenariats industriels. Je pensais à l'industrie du textile, les textiles intelligents, par exemple, qui sont un domaine dans lequel, avec lequel nous nous efforçons de travailler. Voilà. Alors, l'ouverture de l'Institut est prévue? L'ouverture de l'Institut, le bâtiment sera remis à la mi-février 2022 et je pense que nous aurons l'opportunité de l'ouvrir largement. Je me tourne vers Monsieur Alain Geste, on va dire au printemps prochain. Alors, je vous propose de découvrir un peu le projet en vidéo. Ça vous donnera un peu l'importance de ce magnifique institut Fairfast avec vraiment un nom très, très bien choisi. Qui a choisi le nom Fairfast? Oh, c'est une très vieille histoire. Ah oui, c'est un très, très, très joli nom. Je vous propose de découvrir tout cela en image, le projet de l'Institut Fairfast, plus qu'un projet, ouverture l'année prochaine. Thank you.
Voilà le nom de l'institut, l'Institut Faire Face, et la totalité des partenaires hein, et des mécènes aussi qui vous ont accompagné pour réaliser ce projet d'envergure avec un modèle, hein, celui de Strasbourg, de l'Institut IRCAD dont vous avez signalé. Pour vous, ça, c'est vraiment un modèle d'exemple de réussite et également d'intégrer le projet entrepreneurial aussi, l'industrie qui va vous accompagner. C'est vraiment au cœur du modèle. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, on s'aperçoit au bout de quelques années, pour revenir sur l'IRCAD, que ce modèle très tourné vers l'apprentissage du geste chirurgical hein, dans un domaine particulier a été exporté dans d'autres pays, à Taïwan, aux États-Unis et en Afrique. Alors, nous n'avons pas cette prétention encore là aujourd'hui, faire la preuve qu'effectivement, au sein de cet institut, nous puissions réunir toute une série de chercheurs et servir, pourquoi pas, effectivement, de lieu d'accueil pour je ne sais quel jeune industriel qui voudrait effectivement concrétiser un certain nombre de travaux de recherche que nous menons. Il a là, bien sûr, vous avez vu une plateforme chirurgicale, mais il y a également une plateforme d'analyse du mouvement. Il va y avoir un espace pour le gréco. Et, voilà, il y a des tas de domaines très très spécifique de recherche dans lequel tel ou tel industriel pourra se retrouver, dans lequel surtout nous, chercheurs universitaires, pourrons nous épanouir demain. Alors, on sent votre, ô combien votre enthousiasme à l'issue de ce projet et à quel point ça éveille chez vous beaucoup d'intérêt et on sent que vous portez merveilleusement bien le projet de l'Institut Faire Face. Je vois qu'il y a une question de la part de nos internautes qui vient d'arriver. Quelle offre à destination d'entreprises partenaires? Comment vous imaginez justement l'offre vis-à-vis des entreprises qui seront partenaires avec l'Institut Faire Face? Alors, il y a deux choses. Enfin, je veux dire que c'est une double direction. La première, c'est effectivement l'exploitation des brevets qui sont issus des recherches. Je parlais tout à l'heure de textile intelligent. Nous sommes sur un projet très, très spécifique de substitution à des greffes nerveuses de fils de soie électrospinés. Voilà, c'est un sujet extrêmement précis qui a fait l'objet de toute une série de travaux de recherche. Eh bien, voilà, est-ce que nous ne sommes pas justement au moment où un dispositif médical peut être créé, et on sait la complexité qu'il y a sur le plan légal, ne serait-ce que pour avoir le marquage européen, pour mettre en place, voilà, le partenariat que l'on souhaite avoir, c'est un partenariat avec un industriel pour... Nous parlions du CEA, voilà effectivement un travail de recherche qui est mené. Nous sommes en collaboration avec SimuSanté, comment la simulation permet effectivement l'apprentissage du geste, mais comment au-delà d'une simulation qui est strictement visuelle pour les instruments qui sont mis à disposition aujourd'hui, on pourra doubler cette simulation par effectivement la prise en compte de ce retour haptique et comment demain, je visitais hier une faculté d'odontologie, comment l'apprentissage du geste odontologique pourrait effectivement bénéficier de cet apport et comment demain, on ne va pas pouvoir multiplier ou créer des plateformes spécifiques d'apprentissage pour les jeunes odontologistes, mais avec ce retour de force. Voilà, hein, je pourrais développer bien avant. Et puis, l'autre dimension, c'est nous avons une IRM recherche, nous avons une plateforme d'analyse du mouvement. Comment ces plateformes d'analyse peuvent être mises à disposition d'industriels pour effectivement développer des recherches spécifiques qu'ils ne peuvent pas développer pour eux-mêmes. Je pense notamment au domaine de la cosmétologie. Voilà comment on va pouvoir analyser les réactions sur le revêtement épidermique d'un certain nombre de produits de cosmétologie dans une région où il y a effectivement des industriels impliqués dans ce secteur. Alors j'ai envie de vous dire, encore une institut qui va faire, je l'espère, référence au niveau au moins national, voire international, puisque ça c'est unique hein, de voir une institut. Et j'ai envie de dire encore, puisque nous avons la chance d'avoir aussi un centre de simulation qu'on appelle SimuSanté, qui fait référence dans le domaine, qui est assez unique, on peut le dire, avec la présence de Béatrice Jameau. Alors je vais préciser, vous êtes coordinatrice pédagogique et administrative de SimuSanté. Et on va voir en duplex dans un instant avec nous Carole Amsalem, qui est référente pédagogique et simulation SimuSanté, qui est praticienne, évidemment, c'est le cas pour tous les deux, au CHU d'Amiens Picardie. Alors, j'ai envie de démarrer avec vous, évidemment, Madame Jameau. Si on veut expliquer en quelques mots pour celles et ceux, je pense aux étudiants, celles et ceux qui sont pas au courant encore des exploits de SimuSanté, ce que représente SimuSanté? SimuSanté, c'est un centre de pédagogie. Alors, par rapport à ce que nous venons d'évoquer, c'est un endroit où les innovations doivent être prises en compte pour que les équipes, les hommes, s'approprient
ces innovations et les traduisent en pratiques professionnelles, tout ça dans un environnement sécurisé pour leur apprentissage et plus tard pour la clinique. C'est ça l'essence de Simu Santé, avec des méthodes pédagogiques adaptées, et celles que nous avons choisies, celles avec un S, ce sont les méthodes de pédagogie active, dont la simulation. Au cœur de ça, on peut donc dire un apprentissage pluridisciplinaire, puisque la clinique en santé ne se fait que dans un aspect pluridisciplinaire, dans des environnements authentiques que nous allons voir, et puis dans une approche de la compréhension de ce qu'est la pratique et ce qui nécessite d'être adapté dans nos pratiques pour aller demain se servir d'outils ou de méthodes données par d'autres. Et sur les deux plans, au moins les deux plans, mais il y en a d'autres, des plans techniques, bien sûr, mais aussi des plans de compétences plus celles qu'on appelle des compétences molles hein, dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire de comportement, de relations entre les gens, de compréhension des systèmes, d'évolution de sa propre analyse de la situation professionnelle. Voilà, donc Simu Santé, c'est aussi un centre qui est né d'un PIA, donc l'IDEFI, hein, Initiative d'Excellence en Formation Innovante. Donc l'innovation était au cœur de ce PIA-là, avec des fonds ANR, bien sûr, et des fonds FEDER, donc avec un soutien de la région important comme l'essentiel de nos projets. Voilà, c'est important de préciser, évidemment, comment on peut réaliser de telles réussites, puisqu'on peut parler de réussite en ce qui concerne Simu Santé. On va le découvrir avec les différents professeurs, donc professeur Gouron, qu'on a la chance d'avoir ici avec nous également. Comment on place l'apprenant quand on est dans l'outil du Simu Santé? L'apprenant est mis au cœur de nos réflexions, mais lui est mis aussi au cœur des siennes. C'est-à-dire que ce qui est proposé à l'apprenant, c'est de travailler sur son expérience. Expérience acquise, chacun de nous avons des expériences, et puis expériences nouvelles qui lui permettront de s'adapter. Et c'est ça qui fait l'originalité des pédagogies actives, au fond. Et ce qui fait aussi notre lien entre tous les labos dont nous allons parler, puisque on parle de l'apprenant de formation initiale, l'étudiant, mais nous parlons aussi d'apprentissage auprès des professionnels de santé déjà aguerris, puisque nous sommes tous ici professionnels de santé depuis quelques années, et nous apprenons dans le centre Simu Santé à modifier nos pratiques, puisque c'est aussi un laboratoire d'usage où, dans un environnement authentique, on va analyser les modalités de prise en compte de nouveaux équipements, par exemple. Et des propositions nouvelles, mais je laisserai M. Gouron en parler, puisque sur ces points-là, nous sommes très... Très en lien. Alors évidemment, on voit cette dynamique hein, qui rayonne entre les différents membres de cette table ronde et à quel point vous êtes un outil qui a été utile hein, à chacun. Justement, on pourrait se poser la question par rapport à celles et ceux qui nous regardent. On a vu qu'on avait plusieurs profils. Donc là, on a bien compris, ça servait aux professionnels de santé, aux professeurs, aux chirurgiens. Est-ce que ça s'adresse également à d'autres personnes, à d'autres profils? Oui. Le cœur au départ, c'est évidemment l'étudiant en santé, le professionnel de santé, mais c'est aussi un laboratoire d'usage pour le citoyen, le patient, ses accompagnants, par exemple. Et nous avons des programmes qui sont destinés entièrement aux patients et aux aidants. Alors, on peut donner quelques programmes un peu phares, mais nous avons travaillé beaucoup sur l'autisme et les parcours d'habituation aux soins pour les personnes porteuses d'autisme et pour faciliter leur intégration ultérieure dans des parcours de soins dits ordinaires, de façon à ce que ce monde un peu anxiogène soit approprié et que les soins puisse être accepté dans un flux, dans une temporalité en accord avec ce que sont nos contraintes cliniques. Un scanner toutes les 12 minutes, ça veut dire que les personnes qui arrivent, pour que les professionnels aient le sentiment d'accueillir correctement et de faire leur travail dans toute l'empathie nécessaire, il faut aussi que chacun des acteurs soit préparé à cette histoire-là. Donc les professionnels y sont préparés, les patients et les aidants. Et puis nous avons d'autres programmes pour les aidants autour du handicap. Adaptation handicap, adaptation des familles à la prise en charge de certaines difficultés de leurs proches, donc la mobilisation de l'aidant porteur de handicap, de l'aidé pardon porteur de handicap, la relation, la communication avec un patient qui des fois ça peut un peu monter dans les tours et comment on se prépare à ça, à le gérer pour que les aidants soient pas mis en difficulté.
Alors, on a une question internaute qui va arriver, mais avant d'y répondre, je vous propose d'aller rejoindre Carole Amsalem, qui est avec nous en duplex, directement au Simu Santé. Alors, je ne sais pas si... Oui, bonjour. Ça marche. Bonjour. Bonjour, Carole. Merci d'être ici, directement au Simu Santé. Évidemment, ça prend tout relief de se retrouver directement dans cet outil qui est fantastique. Peut-être qu'on... Alors, vous êtes à quel endroit, exactement? Là, très exactement, je suis dans une salle de déchocage où on est en train de prendre un patient dans un univers qui est vraiment contextualisé le plus possible, qu'on appelle un univers authentique en simulation, et qui permet justement aux apprenants de pouvoir travailler dans le cadre d'une simulation le plus proche possible de la réalité. Alors, est-ce que c'est une innovation? Oui, parce que nous, on a été un des premiers centres à vouloir le faire multipro. Et du coup, voilà, on se retrouve dans cet environnement qu'on a imaginé le plus proche possible de la réalité. Alors qu'on se donne une impression, qu'on se donne une idée de la taille de la taille de Simu Santé. De faire des tonnes de choses. Cet homme est un homme idéal. J'ai perdu mon oreillette, mais il a les pupilles. Il respire, on peut le drainer, on peut lui faire de l'échographie, on peut faire un sondage urinaire. Et quand vous le regardez, il a les yeux qui peuvent cligner et avec des pupilles qui peuvent effectivement se rétrécir par rapport à des stimulations visuelles. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui fait qu'effectivement, ces solutions techniques, elles sont vraiment au service de tous les gens qui apprennent. Et donc de tous les patients qui vont avoir des gens qui sont entraînés avant sur des mannequins. Alors là, on a de la haute technologie, c'est certain. Mais du coup, je ne sais pas si vous avez une question à me poser. Alors oui, qu'on se donne une idée, parce que là, on voit une salle qui est très impressionnante avec ce mannequin. Ouais. Qu'on se donne une idée un peu en termes de superficie, nombre d'espaces, le Simu Santé, c'est, je suppose que c'est pas le, enfin, est-ce que c'est le seul espace d'apprentissage? Ah non, là, c'est un des espaces parmi les 51 autres espaces qui nous entourent. On va de la salle de consultation au bloc opératoire où le Gréco pourra, avec le professeur Bourron, pourra vous développer un peu cet espace. Mais on a à peu près 4000 m² d'espace de simulation dans lesquels on peut effectivement avoir des environnements authentiques. Depuis une maison simulée, une amiénoise, dans lesquelles on a effectivement des patients hospitalisés à domicile. Mais aussi, on a une pharmacie qui permet aux pharmaciens de réaliser des délivrances et d'apprendre à réaliser des délivrances en toute sécurité. Ça va en salle de consultation. Donc, on a effectivement 4000 m², 51 espaces de simulation comme celui-ci. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà, je pense qu'il y a les images par d'elles-mêmes, à quel point on comprend l'importance et l'intérêt d'avoir cette technologie, cet espace à disposition pour les apprenants et pour préparer éventuellement les interventions. Alors, on prend un peu de temps, mais on va répondre quand même à cette question qui me semble importante, que ce soit vous, professeur Amsalem, ou vous, Mme Jameau. La question est, pouvez-vous nous rappeler les dernières innovations au sein de Simu Santé en lien avec le Covid? Vous avez travaillé en lien avec la problématique du Covid actuel. Que s'est-il passé à Simu Santé? Alors, ça, c'était une réponse. Tout l'hôpital a répondu au COVID, enfin, à la crise Covid dans l'urgence et en mettant toute son énergie au service de cette affaire-là. Et effectivement, notre centre Simu Santé, un centre d'apprentissage, nous a permis de permettre, d'une part, aux professionnels qu'il fallait rendre mobile entre des services où ils étaient habitués à travailler et d'autres où on avait besoin de ressources. Donc, on a proposé des formations d'adaptation à la pratique professionnelle, à la découverte rapide de certains outils, de certains protocoles de soins. On a ensuite développé certaines pratiques professionnelles qui étaient souvent rares et qui sont devenues classiques dans la prise en charge du Covid, notamment, par exemple, le positionnement en procubitus d'un patient en réa. Un patient intubé, ventilé, drainé, quand il faut le tourner, c'est pas simple. Donc là, l'ensemble de la communauté médicale et paramédicale a pu être mobilisée sur cet apprentissage-là. Et on a pu le faire à Simu Santé pour ne pas encombrer, on va dire comme ça, les réas qui étaient très occupés par les patients eux-mêmes.
Et donc, on a vu des équipes défiler et on a simulé cette affaire-là. Après, bien évidemment, la vaccination, les PCR, toutes ces choses-là. Donc, c'était plus de 1000 personnes qui ont été formées dans ce cadre-là. Et 12 programmes nouveaux adaptés à la crise du Covid. Voilà, merci beaucoup. On voit l'importance encore une fois. Je voulais remercier Madame Absalem d'avoir été en direct avec nous de la part de Simon Santé. C'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous en ligne. Et vous avez parlé du Gréco, évidemment, du partenariat. Oui. Enfin, vous êtes membre du Gréco et on va en profiter avec vous. Le professeur de chirurgie orthopédique et traumatologie pédiatrique, je vais essayer de le dire en complet, de CHU Damien Picardie, et directeur adjoint du Gréco, professeur Richard Gouron. Merci d'être avec nous. Vous connaissez bien le Simu Santé, vous y êtes bien souvent. Vous êtes chez vous, là. On le voit régulièrement, il est chez lui en nocturne, parfois même. Oui, alors, on est chez nous. Le Gréco, c'est une fédération de recherche qui va regrouper 4 structures, dont 3 sont réunies ici sur ce plateau aujourd'hui. D'ailleurs, on a une diapo, peut-être. On va montrer toutes les structures membres du Gréco sur cette présentation. Vous allez la voir et que ça permettra, parce qu'on en a déjà une qui est ici avec nous. Vous voyez les 4 structures, je vous laisse développer. Donc, cet institut fédératif, c'était catalyser et puis essayer de valoriser dans chaque laboratoire la partie robotique chirurgicale. Donc, on a le laboratoire SSPC du professeur Rogimbaud, simplification des soins pour les patients complexes, dont je fais partie. Le laboratoire chimère du professeur De Vauchel et Testelin, qui ont, comme vous l'a dit Bernard De Vauchel tout à l'heure, une composante robotique très importante. Le laboratoire MIS, modélisation informatique et système de l'UPJV du professeur Dequin, qui travaille en informatique, en intelligence artificielle. Et puis, le partenaire très important pour nous, qui est Simu Santé, on vient d'en parler, parce que parmi ces 51 espaces de travail, il y a un bloc opératoire miroir qui nous permet de travailler dans les conditions du réel qui vraiment ressemble au bloc opératoire dans lequel on travaille et qui rassemble les outils modernes qui vont nous permettre d'innover en chirurgie robot assistée. Alors, je vais vous inviter à tenir votre micro un peu plus haut pour la régie, pas en bas de l'antenne, mais un peu plus haut. Et alors juste, je suis désolé vis-à-vis des équipes techniques, mais on a une vidéo, puisqu'on vous avait inauguré assez récemment, finalement, le Gréco, même si ça existe depuis longtemps. On va rappeler juste le nom, c'est le Groupement de Recherche et d'Études de Chirurgie Robotisée. C'est ça que ça veut dire. Et vous avez réalisé déjà plusieurs premières mondiales. On va en parler quelques instants. Je vous propose, on a la vidéo, vous la commentez, puisqu'on a la chance d'avoir le président Monsieur Macron qui est venu inaugurer cet espace pour vous dire à quel point c'est remarquable et assez unique d'avoir une telle synergie à travers ces différents instituts. Je vous propose d'envoyer la vidéo et vous nous la commentez en même temps. Donc là, on présente au président de la République, c'était fin 2019, l'inauguration du Gréco. Une des premières mondiales qui a été réalisée grâce à notre structure de recherche. Vous avez à gauche le docteur De Roussan et à droite le professeur Lefranc, qui est directeur du Gréco. Et ils sont en train de faire placer une vis au président de la République, à tel point qu'on voit que tout le monde peut poser une vis dès lors qu'on utilise un robot, je plaisante. En fait, le robot nous accompagne, c'est le chirurgien bien sûr qui fait le geste. Alors, on a pris cet exemple de ce mannequin que vous voyez là actuellement sur lequel le président est en train de mettre une vis. Et c'était cette première qui a été réalisée là, un moment un petit peu fédérateur pour nous, puisqu'on a dû travailler sur une représentation en 3 dimensions d'un enfant qui présentait un problème. Et je remets bien le patient au cœur du problème. C'est-à-dire qu'on a des outils, on a cette fédération de recherche, mais c'est pour répondre à une problématique médicale. Et quand on a ce problème, on va utiliser nos outils, on va se mettre autour de la table, on va fédérer la puissance de chacun de nos laboratoires pour mettre nos outils au service du patient. Et là, c'était de pouvoir mettre une vis dans un endroit très très délicat, à côté de racines nerveuses d'un tout petit enfant qui ne pouvait plus se tenir assis au fauteuil roulant, un enfant handicapé. Et puis, grâce à cette opération, qui n'était pas faisable techniquement sans l'utilisation d'un robot, nous a permis de la réaliser en s'entraînant, en pouvant vaincre tous les obstacles technologiques dans le centre de simulation, dans le bloc miroir, entraîner les équipes, donc on est vraiment multiprofessionnels, pour pouvoir le réaliser sur le patient, alors qu'on l'a déjà réalisé en simulation à plusieurs reprises, et donc sans incident technique, puisque tout a été traité en amont. Ça, c'était en 2017.
Il y a eu d'autres innovations depuis, hein, notamment au niveau maxillofacial avec l'équipe du professeur de Vauchel sur des implants maxillaires installés à l'aide d'un robot qui permet de vraiment d'accélérer les soins pour les patients qui habituellement bénéficiaient de soins certes optimaux, mais dans des délais beaucoup plus longs. Alors, on va peut-être revenir sur votre présentation et sur les bon, vous avez peut-être nous préciser l'originalité hein, de ce que représente le Greco. En quoi c'est singulier d'avoir un outil tel que le Greco ? Alors, c'est singulier dans le sens où, à la différence de ce dont on a parlé pour l'IRCAD du professeur Maresco, on souhaite travailler en transversalité. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire communiquer entre tous les professionnels de santé et pouvoir développer à la fois dans le domaine de la maxillofaciale, dans le domaine de la chirurgie digestive, dans le domaine de la chirurgie orthopédique, de la neurochirurgie, de l'ORL, et vraiment centré sur le besoin en santé qu'est le patient lui-même, avec l'aide des outils robotiques qui sont des robots de téléchirurgie, des robots d'aide à la visée, hein, et vraiment réaliser une chirurgie prédictive et d'innover dans cet univers-là en fédérant vraiment toutes les équipes. Hein. Et l'idée, c'est vraiment, les outils existent, les partenaires industriels existent, mais ce sont des plateformes et nous, on doit vraiment développer l'applicatif de ces plateformes. Le but étant ensuite de former, d'enseigner et puis de réaliser des transferts et de valoriser auprès de l'industrie parce que forcément, ça va générer du développement industriel en arrière. Alors, grâce à l'ensemble de ces synergies hein, et des outils que vous mettez à disposition avec vos collaborateurs, vos homologues, hein, vous avez réussi à faire plusieurs premières mondiales sur ces dernières années. Alors, c'est la diapo d'après. On va montrer un petit peu quelques exemples. Hein, c'est sur les innovations. On peut peut-être expliquer justement ce que vous avez réussi à faire de manière assez spectaculaire qui a été remarquée dans le monde entier grâce au Simu Santé, au Greco et à l'ensemble des instituts qui accompagnent le Greco. Voilà, donc j'en ai déjà cité quelques-unes. Mais on est bien dans la chirurgie prédictive et surtout la reproductibilité du geste, c'est-à-dire que tout le monde puisse avoir cette précision chirurgicale à l'aide des robots. Vous avez là une première en chirurgie ORL qui était de la pose d'un implant cochléaire sur un enfant full robot, parce qu'il y a déjà eu des premières d'aide visée de ces implants pour les enfants sourds, aide au robot, mais là, tout le geste est intégralement fait robot, ce qui était innovant. Vous avez en bas la chirurgie rachidienne dont je viens de vous parler. Il y a les implants maxillaires réalisés par le docteur Bettoni et l'équipe du professeur de Vauchel. On a aussi réalisé une première sur des visées de tunnels osseux sur des enfants en croissance pour des réparations de ligaments croisés. Hein. Mais vraiment, l'objectif, c'est de rendre cette chirurgie la plus reproductible possible, prédictive, et que ce patient récupère rapidement après chirurgie, c'est-à-dire que se remettre de ses soins le plus rapidement possible, de simplifier ce geste. Et à telle enseigne qu'aujourd'hui, on a développé des techniques innovantes sur des patients complexes, et ces patients complexes ont des suites plus simples que des patients moins complexes. Et donc, on est en train de transférer ces technologies vers les patients moins lourds pour qu'ils bénéficient eux aussi, évidemment, de cette récupération rapide. Enfin, on va montrer la slide suivante. 7 premières mondiales en 6 ans. Félicitations avec le travail du professeur de Vauchel, dont on a parlé aussi de ces premières mondiales, avec le travail de vos homologues, également collaborateurs ici avec le Greco, avec le Simu Santé. On peut dire qu'il y a vraiment un coup de lumière sur le savoir-faire au CHU d'Amiens. C'est vraiment une politique de territoire. On a des financements régionaux, des financements métropolitains. On va peut-être montrer la dernière slide. Justement, la toute dernière. Et l'État, bien sûr, et à moitié aussi des partenariats privés, dont certains sont encore en cours de signature, mais vraiment, l'idée, c'est d'intéresser là tous les partenaires médicaux, locaux, régionaux, et puis bien sûr, de transférer après bien au-delà. Alors, on a ici tous les donateurs mécènes, partenaires institutionnels. Vous l'avez dit, hein, c'est grâce à une initiative, à une volonté territoriale voilà. Qu'on puisse arriver à de telles réussites. Merci beaucoup, professeur. Merci. Alors, j'ai quand même une question. On va essayer de répondre très rapidement. On a pris un peu de retard. Quelle innovation numérique pourrait vous aider à continuer à progresser, justement? Oui, c'est difficile de répondre à ça. Non, c'est très difficile parce qu'encore une fois, les innovations numériques, elles existent. On les voit. Notre travail, c'est de, qu'on se les fasse présenter, qu'on les découvre. Le monde de la santé, le monde de la recherche médicale est
assez centré sur lui-même. Et là, l'idée, c'est vraiment d'échanger avec tout ce qui se passe. On en parlait tout à l'heure avec Bernard de Vauchel. Vraiment, aller voir ce que l'industrie nous propose, car l'industrie a plein de choses à nous apprendre. Et jusqu'à maintenant, l'industrie avait du mal à rentrer, à pénétrer le milieu médical. Et vraiment, on a besoin de cet interfaçage, car il est évident que quand on regarde nos outils robotiques, on les avait dans l'industrie automobile il y a 10 ans. Hein, et ils n'étaient pas rentrés dans le secteur chirurgical. Et aujourd'hui, on les utilise, on les a un peu transformés, un petit peu mobilisés pour répondre à cette problématique du patient. Donc, les innovations numériques qui pourraient aujourd'hui nous continuer à progresser, elles existent tous les jours. C'est l'amplification visuelle du geste chirurgical, c'est la superposition de l'imagerie sur le patient réel qui existe déjà, mais qui va encore, bien sûr, se développer. Donc, aujourd'hui, toutes les innovations numériques, dès lors qu'elles existeront, on se les appropriera pour répondre aux problèmes du patient. Alors, très rapidement, oui. Madame Jamon. Oui, deux points, mais qui complètent simplement. Là, vous aviez parlé tout à l'heure du Covid. Le numérique, par exemple, dans l'enseignement, a été d'une aide considérable pendant les 2 ans qui ont précédé. Et on a fait un progrès majeur dans les techniques et dans la compréhension de ce qui se passe en apprentissage quand on est en distanciel. Et on peut noter encore un beau projet régional, c'est le projet Epion qui nous a aidés tous auprès de nos étudiants. Et puis sur le numérique, après il y a tout ce qui concerne la télésanté, où là le champ est ouvert, mais encore bien large. Attends, oui. Alors je vous propose, d'ici on va retrouver en duplex avec nous Jessica Chiraud, qui est chef de projet au CICIT, le Centre d'Investigation Clinique Innovation et Technologique. Quand on parle d'aide pour trouver de l'innovation technologique, je pense qu'on s'adresse à la bonne personne avec nous. Merci d'être en duplex avec nous et d'être bien présente au cours de cette matinée. Si on veut expliquer un petit peu le travail du CICIT, déjà vous êtes à quel endroit et évidemment quel type d'accompagnement? Là on va plus accompagner des porteurs de projets, mais là vous avez suivi avec quelques échanges avec les innovations à rechercher au service de la santé. C'est un peu le cœur de votre activité. Oui, bonjour à tous. Donc en effet, le CICIT, donc le Centre d'Investigation Clinique pour les Innovations Technologiques, est un laboratoire de recherche publique au cœur du campus hospitalo-universitaire du CHU de Lille. Et donc, nous, on accompagne les porteurs de projets en technologie de santé et dispositifs médicaux, de l'idée jusqu'à la mise sur le marché. Donc, on est spécialisé plutôt dans les projets qui comportent des biocapteurs, donc tout ce qui est mesure physiologique de l'homme. Et on a une compétence un peu transversale sur les questions de l'usage et l'intégration des utilisateurs finaux, que ce soit dans la conception ou l'évaluation de ces dispositifs. Donc, on travaille principalement avec des cliniciens du CHU, mais également avec des porteurs de projets externes, donc soit des start-upers ou bien d'autres partenaires pharmaceutiques ou dans le dispositif médical des plus grosses entreprises. Voilà, vous êtes aussi organisé en réseau, hein, c'est un réseau européen, donc c'est aussi une façon pour vous d'accompagner les projets, hein, et vous travaillez en lien aussi avec quelques acteurs qui vous mettent en contact avec ces start-upers, que je pense à Eurasanté. Comment ça s'organise justement chez vous? Exactement, donc nous, les porteurs de projets nous contactent, soit ils sont mis en relation avec nous via Eurasanté, soit ils nous connaissent à travers ce réseau européen Tech for Health, qui permet d'être visible du coup sur tout le territoire. Et donc on travaille en collaboration forte aussi avec Eurasanté pour identifier des porteurs de projets innovants qui auraient besoin d'un accompagnement spécifique, soit technique. Donc là on peut mettre à disposition nos locaux, on a un Fab Lab avec des imprimantes 3D, du matériel qui permet de développer des capteurs, de les évaluer, de les tester pour qu'ils soient conformes également aux normes électromagnétiques, électroniques pour aller sur la mise sur le marché. On peut leur mettre également à disposition notre laboratoire des usages qui permet d'évaluer leurs dispositifs avec les futurs utilisateurs. Donc, on peut faire venir des personnels du CHU de Lille, mais également des patients ou des
du tout venant en fonction de la nature du projet et du public ciblé. Alors, dans un instant, on va voir quelques entreprises, quelques projets, quelques success stories qui vont prendre place sur ce plateau. Si vous deviez nous donner quelques exemples de porteurs de projets que vous avez accompagnés et qui sont un peu pertinents de la démarche, de la collaboration, de votre accompagnement. Donc, on a un sujet un peu qui nous identifie depuis plusieurs années maintenant. Donc, on travaille beaucoup sur la mesure du système nerveux autonome. Et donc, on a, après donc, plusieurs années de recherche, généré une start-up qui porte aujourd'hui ce projet, ce brevet qui s'appelle M. Doloris et qui commercialise un système qui permet de monitorer la douleur lors des anesthésies donc chez les patients non communicants. Et puis, on a décliné ce système sur les prématurés, l'animal, etc. Donc ça, c'est un exemple de société et de partenaires que nous avons. On a également des projets où, avec des startups qui sont identifiées en Irlande, donc sur des projets financés par l'Europe, donc des financements EITLS, sur des dispositifs d'aide à la prévention du pneumothorax lors des biopsies du poumon. On a également des projets de recherche clinique, donc le PHRC, etc. Et des projets, donc on avait parlé de e-santé, mais avec les urgences pour aider à la priorisation des patients dans les services d'urgence et puis essayer d'aider les professionnels dans le choix des patients à aller voir pour essayer de désencombrer et de fluidifier le flux. Donc, des startups qui travaillent dans ce domaine-là également. On a également la chance au CICIT d'avoir un espace d'incubation qui nous permet d'héberger quelques startups qui pourraient bénéficier de nos accompagnements. Par exemple, on a une société qui travaille sur le domaine de l'anesthésie pour monitorer l'oxygénation du cerveau pendant une opération, ou bien une autre société qui travaille sur des systèmes de pompe pour les patients qui ont eu une ostomie digestive. Voilà, pour vous montrer un peu l'échantillon et les exemples des projets. Donc, c'est assez diversifié. Et ça permet de travailler avec tout l'écosystème régional et toutes ces entreprises qui proposent des technologies innovantes dans le domaine de la santé, à l'hôpital ou bien au domicile du patient. Merci beaucoup, Madame Chirot, pour votre intervention. On voit à quel point le service qui est proposé, l'accompagnement qui est proposé par le CICIT est diversifié, extrêmement large. Alors, malheureusement, on arrive au bout de ce premier temps fort. J'avais tellement... on pourrait passer une journée complète à échanger avec vous, tellement il y a des sujets à aborder, beaucoup de questions aussi qui étaient en attente. Mais on voit à quel point la technologie est au service de la santé à travers vos différentes interventions et à quel point elle le sera y compris demain, et à quel point les attentes vis-à-vis de l'ensemble de celles et ceux qui nous écoutent, si vous êtes, vous, acteur d'innovation, d'acteur de projets technologiques, partagez-le avec les acteurs de santé qui sont avec nous. On va vous mettre leur contact, justement, pour pouvoir éventuellement échanger. Vous aurez la possibilité de revoir l'ensemble de ce programme en replay, mais ils seront dans tous les cas disponibles sur les échanges organisés avec le chat ou le site internet des rencontres de la recherche et l'innovation. Voici les contacts pour aller plus loin avec nous. Je vous remercie encore beaucoup, Olivier Duclos, professeur de Vauchel, Madame Jameau, Monsieur Richard, professeur Gouron, et Jessica Chirot qui était avec nous. C'est la fin de ce premier temps fort. Je vous propose d'aller découvrir quelques success stories des entreprises, des projets qui soit sont montés, font preuve évidemment d'une perspective exceptionnelle, ont su trouver quel est l'intérêt dans l'innovation ici sur le territoire des Hauts-de-France, ou alors des projets qui sont en cours de développement et qui sont extrêmement prometteurs. On va découvrir tout cela avec ces porteurs de projets ô combien dynamiques. C'est le rendez-vous de deuxième temps fort, les projets innovants en région de France. C'est parti.
Merci beaucoup à l'ensemble, évidemment, des intervenants qui sont au rendez-vous. Je vais vous inviter tout de suite à participer à une question Bicast, une question sondage. On va vous remettre le QR code à l'image. On va vous permettre encore de sortir le téléphone, de vous remettre sur l'application, évidemment, et éventuellement de répondre à la question suivante. Voici la question. À quoi ressemblera, d'après vous, la santé en France en 2030? Alors, on vous laisse d'abord bien le QR code et je vous rappelle qu'évidemment, comme vous l'avez fait pour le premier temps fort, n'hésitez pas à partager vos questions, vos interrogations avec des projets bien concrets qu'on a la chance d'avoir ici avec nous. On vous laisse le QR code, le temps de répondre, le temps pour moi d'accueillir sur ce premier volet des projets Success Story avec Accès Plus sur l'approche médicaments. Nous avons Maxime Laurent, chef de projet marketing chez Pozos, et Reda Midia, fondateur de XProchem. Merci hein, tous les deux d'être avec nous. Vous avez tous les deux une approche extrêmement différente, hein, évidemment, mais on va la découvrir dans un instant. J'ai envie de vous poser la question avant de voir les résultats. On va laisser encore peut-être le QR code, hein, peut-être le temps, peut-être j'ai vu qu'il y avait encore quelques personnes qui sortaient le téléphone, mais d'après vous, vous auriez répondu quoi à cette question? À quoi va ressembler, d'après vous, la santé en France en 2030? Maxime Laurent, d'après vous, si vous deviez définir ça? Eh bien, pour moi, avec la révolution numérique, elle est en train de bouger grandement, notamment avec Pozos et d'autres outils que nous développons en ce moment. Ça va être complètement différent. Les professionnels de santé vont être vraiment accompagnés avec des outils innovants. Voilà, plus high-tech, ouais. Les professionnels de santé encore plus high-tech. Vous, Monsieur Midia, comment vous imaginez la santé en 2030? C'est pas si loin, hein, 2030, hein, moins de 10 ans. En 2030, ouais. Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Ça va tellement vite qu'elle est vraiment très compliquée quand même de prédire. La preuve avec cette crise Covid, il y a tellement de choses qui ont été développées en moins de 2 ans. Rien n'est impossible, notamment le traitement de certaines maladies comme les cancers. Je pense dans les 3, 4, 5 prochaines années, on verra des innovations très intéressantes. C'est vrai que finalement, c'est dans 8 ans, là bientôt, on va bientôt arriver en 2022, mais qui aurait pu prédire 8 ans en arrière la crise du Covid et toute la dynamique de santé, d'innovation qui en est liée? Et encore une fois, on en a parlé ce matin. On va voir ce qu'en pensent nos télénotes, tels qu'on les appelle aujourd'hui, qui nous suivent. Voici le résultat, un nuage de mots-clés. Alors, à quoi ressemblera la santé en France en 2030? Alors, le plus gros mot, il est en jaune, j'ai du mal à le lire. C'est connecté, numérique, innovation, haute technologie, high-tech, complément, connecté. Alors, en souffrance, malgré de nombreux espoirs. Ah, là, c'est pas très optimiste, ça, quand même. La santé, métavers et quanti-field-self. Alors, ça, il faudra m'expliquer pour celles et ceux, peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer. On voit le mot assistance. Covid-19 qui reviendra peut-être, je l'espère pas, en 2030 quand même. Va-t-on vivre avec grandeur dématérialisée, humaine, moins important, rupture sur l'innovation. On parle de télésanté, institut privé également. Il y a beaucoup de mots. Hein. Ça vous a beaucoup inspiré pour celles et ceux qui ont répondu à cette question. Vous pouvez continuer à répondre d'ailleurs avec le QR code. Petit à petit, on reviendra sur ce nuage de mots-clés. Vous avez tous les deux des profils extrêmement différents. On va parler tout d'abord de cette entreprise désormais, parce qu'on vous a souvent présenté il y a quelques années comme start-up. Aujourd'hui, on peut plus. Est-ce qu'on peut encore utiliser le terme de start-up pour définir Pozos? Eh bien, on a encore une jeune start-up, on a encore beaucoup d'affaires, mais c'est vrai qu'on a connu une grande croissance ces derniers temps. Mais on a toujours l'appellation de start-up. Alors, je vais vous demander de bien parler près du micro. Alors, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, racontez-nous l'aventure Pozos, ce que représente Pozos aujourd'hui, ce service exceptionnel auprès des professionnels de santé. Alors, pour vous expliquer un peu ce qu'est Pozos, je vais plutôt partir de la création et du contexte. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, on a plus de 10 000 décès qui sont liés au mésusage du médicament. Ce mésusage est dû car il y a beaucoup de molécules sur le marché. En plus de ça, on a des nouvelles molécules qui arrivent, qui sont de plus en plus innovantes, avec des mécanismes d'action qui sont complexes. Et les professionnels de santé ont un problème majeur, c'est qu'ils ont du mal à avoir accès à la connaissance médicale. Et effectivement, aujourd'hui, la connaissance médicale et pas centralisée, elle est très segmentée. Vous pouvez la retrouver sur plusieurs supports, que ce soit des publications, des livres ou alors des sites internet.
Et pourtant, le professionnel de santé se pose tous les jours des questions sur le médicament, et notamment face à son patient. Et c'est lors de cette situation-là qu'il manque de temps pour trouver cette information. C'est le constat qu'a fait Emmanuel Bilbao, qui est pharmacien et qui a exercé pendant 10 ans dans l'industrie pharmaceutique. Il a donc décidé de co-créer, aux côtés de Benjamin Grélier, qui est ingénieur, Pozos en 2017. Et Pozos, qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes tout simplement une start-up qui est spécialisée dans le traitement automatique du langage médical. On va proposer de centraliser toute l'information sur le médicament sur le même outil, afin de faciliter l'accès aux professionnels de santé et de leur fournir la meilleure information pour prendre en charge au mieux leurs patients. Clairement, c'est une interface numérique. Hein. On a une page, on a un champ de recherche, on a une problématique, on l'expose. Et puis derrière, vous avez quelques solutions qui sont proposées, de posologie, hein, dont je suppose le nom de Pozos. Alors, ce n'est pas réellement des posologies, mais on vient expliquer, on fait des propositions aussi, cet outil. Alors on fait beaucoup de propositions, notamment les posologies, comme vous l'avez cité. On a de l'analyse d'ordonnance, on a les interactions, des contre-indications. On propose des alternatives thérapeutiques. Il faut bien noter qu'on ne crée pas de contenu, on s'appuie tout le temps sur des références officielles. Voilà ce que fait Pozos. Alors, c'est incroyable, puisque évidemment, c'est une très, très belle aventure. Aujourd'hui, il y a combien de professionnels de santé qui utilisent Pozos ? Alors, aujourd'hui, on connaît une croissance incroyable. On a 45 000 professionnels de santé qui ont téléchargé l'application, dont 20 000 médecins. On a plus de 1 800 soignants qui s'inscrivent sur Pozos chaque semaine. Voilà. Ouais, vous m'avez dit, on a parlé d'un peu de la crise Covid. Il y a eu beaucoup d'informations à fournir auprès des professionnels de santé, évidemment, lors des formations. Enfin, je veux dire, tout ça s'est fait très rapidement. Vous avez été une fenêtre aussi pour acculturer les professionnels de santé à travers l'outil Pozos. Pour vous, ça représentait également un gros potentiel de développement. Alors oui, le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les professionnels de santé manquaient de temps. Et pendant la crise du Covid, il manquait encore plus de temps pour chercher cette information. Il leur fallait un outil, d'autant plus qu'il n'y avait pas de réunion de médecins ou même de congrès de spécialistes. Et Pozos a aidé dans ce sens à être la voie d'accès à l'information médicale et aux dernières recommandations. Ouais, donc évidemment, ça a eu un outil ultra utile pour les professionnels de santé dans cette période de crise que malheureusement on vit encore. Alors j'ai une question sur la pérennité de Pozos. Vous avez expliqué que vous êtes en pleine progression. D'ailleurs, je pense que vous êtes en train de réaliser votre deuxième levée de fonds actuellement. Hein. Justement, dans un an, ça donne quoi Pozos ? Est-ce que vous savez déjà un peu de perspective ? Alors oui. C'est une question internaute. Hein. Alors déjà, dans un premier temps, Pozos connaît une croissance incroyable ces derniers temps. En 2019, nous étions 5. Aujourd'hui, on est plus de 25. Donc, on a des data scientists, on a des pharmaciens, on a des ingénieurs et également des médecins qui nous ont récemment rejoints. Dans un an, Pozos, c'est quoi ? C'est tout simplement l'intégration dans les logiciels de prescription hospitalière. Donc là, on est en cours d'intégration dans 5 hôpitaux et on est présent dans 5 pays. Donc on va essayer d'étendre tout simplement cette intégration à un territoire plus grand que la France prochainement. Voilà, c'est pour ça au début je posais la question, est-ce qu'on peut encore parler de start-up ? C'est une grande start-up, grande success story. L'aventure humaine au départ, comment, quand on est pharmacien avec Emmanuel Bilbao et son cofondateur, quand vous êtes parti, quand il est parti sur cette aventure, cette idée innovante, est-ce qu'il y a eu un accompagnement ? Comment s'est déroulée l'aventure humaine ? Alors oui, j'en profite pour, étant donné que nous sommes revenus sur cette création de Pozos, pour remercier au début, au démarrage, on a fait des tests au CHU d'Amiens, donc je remercie vraiment de la part de l'équipe Amiens Cluster qui a su nous conseiller les bonnes personnes. On a également été accompagné par la pépinière de la CCI qui nous héberge et nous accompagne depuis nos débuts, mais également Au Défi, la région, ainsi que Réseau Entreprendre, qui ont su nous conseiller et nous aider dans le financement de notre projet. Et pour finir, la BPI Hauts-de-France, qui est présente dans chaque étape du projet.
Voilà, c'est important de souligner parce que vous avez vu que parmi celles et ceux qui étaient au tout début, on a à peu près 10% de porteurs de projets qui étaient avec nous, d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs. Donc évidemment, quand on voit une success story telle que Pozo, c'est toujours important de montrer quel était le point de départ. On est là aussi lors de ces rencontres pour vous donner un peu d'appétence et un peu orienter. D'ailleurs, le troisième temps fort, je vous rappelle, sera sur cet accompagnement et sur ces portes d'entrée qui vous permettent peut-être de réussir votre projet. Alors, on parle de start-up, hein. On peut aussi parler de start-up hein, quand on parle de l'entreprise X-Prochem. Avec vous, le fondateur, monsieur Midia, si on veut expliquer, alors là, on parle d'accompagnement de professionnels de santé. D'une certaine façon, c'est aussi un accompagnement, mais là, vous êtes dans la réalisation. Là, vous êtes concrètement dans la création de solutions de santé, peut-être. Comment on peut définir votre activité? Tout à fait. On est aussi dans l'accompagnement, mais l'accompagnement des biotech et des groupes pharma dans le développement de leurs solutions thérapeutiques et des diagnostics. Alors, chez X-Prochem, l'aventure, c'est une aventure humaine formidable pour un chercheur anciennement. Qui a démarré en 2010, comme trois chercheurs ont décidé de valoriser leurs travaux de recherche et de créer une entreprise. C'est X-Prochem, qui a vu le jour fin 2012 et qui avait pour objectif de simplifier les processus de développement de produits thérapeutiques pharma. Parce que quand on sait aujourd'hui qu'un pour développer un produit, ça prend entre 8 et 10 ans minimum, pour des budgets entre 600 et 1 milliard de dollars quand même. Ce sont des budgets assez impressionnants. Et ce qu'on voit aujourd'hui avec la crise Covid, c'est vraiment de l'ordre de l'exception. Et donc, on s'est lancé dans cette aventure-là en se disant il faut vraiment simplifier ces procédés-là. Et du coup, en fait, on a développé un procédé de synthèse, de fabrication par des méthodes qu'on a développées au laboratoire pour ouvrir ce marché-là et ouvrir la possibilité de développer de nouvelles vraiment molécules thérapeutiques de façon beaucoup plus simple et aussi ouvrir la possibilité de traiter de nouveaux attaquer de nouveaux thérapies qui n'étaient pas possibles de le faire avant. Alors c'est quoi la singularité? Qu'est-ce que par rapport à pour l'industrie pharmaceutique, pour tous ces porteurs de projets que vous pouvez accompagner, qui cherchent des solutions techniques hein, là, pour le coup, c'est quoi la singularité, votre innovation, votre procédé innovant sur l'approche X-Prochem? Alors, en fait, on s'attaque à des molécules qui sont très complexes. On appelle ça de la biotechnologie. Ce sont des molécules à base de protéines, d'anticorps. On en parle maintenant souvent, donc je suis beaucoup plus à l'aise de le dire. Les gens peuvent peut-être mieux comprendre. Et en fait, leur spécificité, c'est qu'elles sont très complexes. Parce que, et comme elles sont très complexes, les modèles de production aujourd'hui, ils sont aussi très complexes. Il y a beaucoup ce qu'on appelle des échecs dans la production, c'est-à-dire que quand on développe un médicament, il y a de la phase de recherche, et il y a les phases cliniques, c'est-à-dire on va faire des tests chez l'homme pour voir s'ils sont efficaces, s'ils sont toxiques ou autres. Et donc il y a beaucoup d'échecs et c'est quelque chose qui augmente énormément le coût de production et le coût de recherche. Et l'idée, c'est de mettre de la rationnelle dans tout ça. C'est-à-dire que nous, on s'attaquait vraiment à la base dans les phases amont. Donc, on va communiquer et discuter avec nos prospects ou nos clients, c'est-à-dire les directeurs de laboratoire pharma, qui ont des problématiques particulières et qu'on va résoudre la problématique à la racine. Ce qui fait qu'on va réduire les coûts et on va réduire le temps de développement. Et ça, pour le patient, c'est quelque chose de formidable puisqu'on va faire plus de tests et on va être beaucoup plus habile dans notre façon et notre approche pour attaquer ces thérapies-là. Voilà, dans votre structure, dans votre démarche, il y a une agilité qui permet d'être davantage efficace et de trouver des solutions techniques à ces enjeux, aux problématiques des laboratoires de santé, notamment, qui viennent vous rejoindre. Alors aujourd'hui, ça existe depuis... X-Prochem a été créé en quelle année? On a créé fin 2012. Et pendant 5 années, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle des études de faisabilité. On travaillait énormément de laboratoires académiques. On avait des partenariats en Belgique, en Allemagne, en France et au Canada. Et en 2018, on a fait une première augmentation de capital et on a fait rentrer des investisseurs de côté de la région lilloise. Et aujourd'hui, on est en train de faire une augmentation de capital de 4 millions d'euros pour investir dans une unité de production, on appelle ça GMP, c'est-à-dire pour pouvoir injecter des produits chez l'homme. Donc, on n'est pas loin de marché, c'est-à-dire,
J'espère en tout cas, donc 5-6 ans, les produits d'Xprocam seront sur le marché en partenariat avec nos sociétés actuelles, Pharma et Biotech. Vous êtes en pleine phase de recrutement. Vous avez dit actuellement, vous êtes neuf. Hein, et là, la perspective, c'est d'arriver à... À terme, 18 mois, on va être autour de 25-26 personnes. Alors, ce qui est intéressant pour monter votre projet, vous avez été accompagné, vous avez été incubé aussi chez Eurasanté. La force de cet accompagnement, ça vous a apporté quoi pour la création d'Xprocam? Au-delà du projet Xprocam, ça c'est quelque chose que j'aime bien partager et je m'adresse plutôt aujourd'hui aux étudiants et probablement futurs porteurs de projets. C'est que dans le domaine pharma, en tout cas ce qui me concerne, c'est un marché qui est très complexe. On ne peut pas arriver comme ça soudainement, émerger d'une phase de recherche et ancien chercheur et aller s'attaquer au marché. Il y a des codes, il y a des procédures, et il y a énormément de choses à mettre en place. Donc, il faut un accompagnement vraiment spécifique. Et dans mon cas, moi, on était accompagné par deux structures. Il y a Crinov qui nous a accompagnés vraiment très amont, qui nous a mis à disposition des bureaux et quelques moyens financiers. Et très rapidement, on a rejoint Oa Santé. Donc, c'est un incubateur spécialiste dans le domaine de la santé. Peut-être qu'il y en a ceux qui connaissent aussi. Et on a rejoint aussi le Club Store Santé, qui met aussi en relation en fait, les entreprises professionnelles entre eux. Ce sont des formidables outils parce qu'on nous a permis rapidement de upgrader, on va dire, notre niveau business, parce que c'est quand même important de comprendre ces codes-là. Et en parallèle, moi, j'ai fait une formation à l'IAE, donc c'est un MBA d'un an. On n'est pas vieux pour aller faire une formation avec des jeunes de 20 ans. Parce que votre profil de départ, c'est vraiment un profil scientifique. Ouais, je suis doctorant en sciences des médicaments. Et donc, c'est très important d'avoir cette vision lointaine de marché d'un point de vue technique, mais en même temps de comprendre les enjeux économiques et aussi les enjeux aussi de la santé. C'est-à-dire comprendre un petit peu les thérapies aujourd'hui et essayer d'apporter quelque chose à ce monde-là. Alors c'est intéressant quand on voit le projet POSOS et le projet d'Xprocam, même si on est sur d'approche hein, évidemment totalement différente, on voit à quel point ça a été important, déterminant dans le développement de vos projets, de vos entreprises, d'avoir trouvé un accompagnement à travers les différentes structures d'accompagnement que nous avons la chance d'avoir sur le territoire et avec lequel on va discuter dans le troisième temps fort. Je rappelle que si vous avez envie, vous pouvez évidemment poser des questions, que ce soit en salle ou à travers l'outil LiveStorm sur votre droite. Vous avez un champ questions avec nos différents success stories. Est-ce que vous connaissiez, ou même si vous êtes dans des univers différents, est-ce que vous aviez déjà échangé à travers des réseaux d'entreprise ou vous ne connaissiez pas du tout? C'est la première fois, hein, même si vous n'avez pas du tout les mêmes marchés, mais c'est important parfois de partager. Vous avez dit le levée de fonds. Si on veut espérer la prochaine étape, c'est le levée de fonds pour aller à l'étape de l'industrialisation des solutions proposées par Xprocam. Je suppose qu'il y a beaucoup de secrets, évidemment, qui entourent vos collaborateurs et en particulier le lien avec vos laboratoires. On peut espérer, vous m'avez dit, trouver vos solutions sur les marchés, à quel horizon? Alors, les solutions aujourd'hui, elles sont déjà sur le marché. C'est-à-dire, en fait, on travaille déjà avec des professionnels, les pharma et les biotech, mais le médicament proprement parlé, pour qu'il puisse aller sur le marché, le processus, comme je disais tout à l'heure, c'est très très long. Donc aujourd'hui, avec notre structure qui va nous permettre de faire des lots cliniques, il verra le jour dans 18 mois. Avec le temps des développements 3-4 ans, on espère voilà, être dans 5-6 ans en fait, sur le marché. Mais aujourd'hui, on travaille énormément avec des sociétés américaines essentiellement, qui ont plutôt une appétence incroyable à l'innovation, ça il faut bien le dire. Et plus de 80% de notre chiffre d'affaires, il se fait là-bas, une collaboration aussi. Donc, c'est pour ça que sur le plus long terme, ce qui est envisagé, c'est créer une antenne sur le sol américain pour pouvoir faciliter les échanges et la commercialisation de nos produits dans 2 ans et demi, 3 ans. Alors c'est que on va revenir sur ce sujet, sur l'internationalisation de certaines solutions et parfois la crainte de voir partir aussi ces compétences là chez nous. Vous nous rassurez, vous allez bien rester sur le territoire Hauts-de-France hein, pour développer vos solutions. Oui, aujourd'hui on est sur le territoire français et je viens aussi à préciser qu'on est soutenu par dans le cadre de projet Relance.
dans le cadre de production de principes actifs sur le territoire français. Donc ça, c'est une volonté de ma part et des fondateurs de rester vraiment sur le Nord, ici dans la région Nord, et développer les solutions thérapeutiques et faire la distribution en Europe. Le marché américain, c'est un petit peu particulier, donc ça ne veut pas forcément dire une délocalisation, c'est plutôt une antenne qui va nous permettre de faciliter la distribution de nos solutions. Ouais, je pense que ça fera écho évidemment à celles et ceux qui nous suivent en salle ou soit en direct. Je voulais vous remercier tous les deux pour cette première deux entreprises incroyables, hein, deux axes complètement différents, axés sur l'approche médicaments, entre guillemets, success story avec Maxime Laurent pour chef de projet marketing chez Pozos et monsieur Reda Media, fondateur de Xprochem, entre autres. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais juste vous remercier pour l'invitation. Ah bah, c'est un vrai plaisir. Et c'est nous qui vous remercions évidemment d'avoir pris de votre temps pour témoigner de ces success stories ici sur le quai de l'innovation durant ces rencontres de la recherche et de l'innovation. On a évidemment plusieurs thèmes d'entreprise, de projets innovants. On va partir sur des projets de dispositifs médicaux au service évidemment de la santé et du bien-être évidemment de certains patients. C'est le deuxième volet de ces entreprises success stories. On va accueillir avec nous et en musique Sarah Louvet, directrice digitale d'Unit Talent, de l'entreprise Talent de France, et Ludovic Viard, cofondateur de VirtiSense. Merci de venir nous rejoindre. Alors pour cela, vous pouvez toujours continuer. On a évidemment les contacts de Pozos et d'Xprochem. Si vous voulez prendre contact, pourquoi pas, pour des partenariats, pour développer vos projets. On va retrouver évidemment à chaque fois les contacts de toutes celles et ceux qui interviennent avec nous sur l'ensemble des tables rondes. Merci à vous deux d'être bien présents avec nous. On va parler de dispositifs médicaux. Sarah Louvet, vous êtes directrice Digital Unit chez Talent Hauts-de-France. Alors, Talent, c'est une grande entreprise avec un grand développement, assez impressionnant. Expliquez-nous ce que représente un peu l'entreprise Talent. Alors, Talent, aujourd'hui, c'est à peu près 4000 collaborateurs en France et à l'international, qui se développent aussi bien sur les territoires régions, mais sur des territoires à l'étranger, comme on vient de le dire. On est un cabinet conseil en transformation numérique, en innovation et en transformation organisationnelle. On se veut à l'écoute de nos clients. La technologie pour la technologie, c'est pas ce que l'on porte. On est plutôt dans l'humain, le besoin humain, les besoins des usages et comment on va pouvoir apporter les meilleures solutions. Voilà. Alors, je vais vous prêter le même exercice. On va revenir sur le nuage de mots-clés, si c'est possible, en régie. D'après vous, la santé en 2030, si vous deviez choisir un mot peut-être pas parmi ceux-là, hein, vous pouvez ajouter un autre mot. Vous l'avez juste devant vous, hein, sur l'écran qui est juste en face de vous. Alors, santé connectée. Il y a beaucoup de mots, d'ailleurs, liés à la technologie. Mais vous venez de le dire, la technologie pour la technologie, c'est pas dans l'ADN de Talent. Soit vous inspirez d'un des mots, soit vous montrez trouver peut-être un autre mot. Je vois que ça continue à évoluer. Vous pouvez continuer à réfléchir. Moi, je donnerais... en fait, je pense un mot que je ne vois pas ou j'ai pas lu. La donnée. La donnée. Ah oui, en 2030. Bon. En fait, l'importance de la donnée, puisque en accompagnant ce projet, Draps, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait, au-delà de tout, en vision macro, un problème de transfert de compétences, de connaissances et de données. Et je pense qu'il y a aussi un changement générationnel puisqu'on a un petit peu étudié la santé, son marché, les besoins. Et c'est ce que disait le représentant de Pozos. Il a parlé aussi de données et de transfert de compétences. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, au-delà de l'innovation, c'est aussi comment transmettre, comment récolter la donnée, puisqu'on y a un changement générationnel. Les médecins, comment on fait pour récolter et transférer cette donnée aux nouvelles générations? Alors c'est un vrai sujet qui avait d'ailleurs été porté ici à Amiens aussi lors des rencontres de la recherche et l'innovation sur un thème, la cybersécurité des données de santé, c'est un vrai sujet. Et évidemment, ce sera encore plus présent dans les esprits pour 2030. À côté de vous, je vais vous demander Ludovic Viard, qui est cofondateur de VirtiSense, avant qu'on découvre VirtiSense, je vous laisse le même exercice. D'après vous, en 2030, à quoi va ressembler la santé en France? Si vous deviez choisir un mot, on va peut-être remettre le nuage de mots-clés pour aider Ludovic Viard. Oui, bonjour. J'ai
pas les mots-clés, mais alors je ne sais pas s'il y est. Moi, je verrais plutôt l'humain. Voilà, on voit le mot humaine, donc voilà, donc remettre l'humain vraiment au centre du besoin, en fait. Ah bah l'humain, et ça m'étonne pas, on va découvrir votre projet ensuite, mais enfin c'est vraiment quelque chose qui vous caractérise, vos deux entités, même si vous êtes à des échelles d'entreprise, il y a des types d'accompagnement qui sont différents. Alors je reviens vers vous, Sarah Louvet, on va parler notamment de services, puisque vous accompagnez, alors on va parler d'une application, alors vous venez en solution technique, vous m'avez dit quand on a préparé cet échange, on vient en complément avec deux professionnels de santé, vous pouvez les présenter. Voilà. Ouais. Alors, le docteur Zerbib et le docteur Bro du CHU, qui sont deux médecins réanimateurs, ont pensé à une solution, à une application qui pouvait les aider, qui pouvait aider leurs collègues à prendre en charge les patients en détresse respiratoire. Ils ont donc commencé ce projet, mais ils sont arrivés à un point où ils avaient besoin d'un accompagnement un peu plus technologique, et puis aussi de repenser leur parcours. C'est là où on est intervenu en accompagnement. Nos experts, on a des experts ergonomes, des experts en conseil, ce qu'on appelle nous les UX UI designers, qui à distance ont récolté leurs besoins, ont rechallengé ce début d'application qui avait été créé par les médecins, et qui ont permis aujourd'hui de déployer une solution avec un parcours utilisateur très confortable, très utile, et une solution, une application gratuite qui fonctionne aussi hors connexion, qui a trois axes. Le premier axe, c'est faciliter la prise en charge des patients. C'était le premier but. Le deuxième, c'est un but pédagogique. Il y a des fiches sur cette application, donc ça va aider au transfert de compétences. Et ça remet aussi l'humain, puisque c'est vraiment pour aider. C'est un contexte et c'est un facilitateur. Alors justement, on a une vidéo qui présente l'application d'elle-même, le travail que vous avez de collaboration entre ces professeurs et le savoir-faire de l'entreprise Talent. Je vous propose de découvrir tout cela en images. C'est parti. Voilà, on voit également les partenaires, je vois Amiens Cluster, les tout différents partenaires. Tout à fait, c'est l'écosystème. On a la chance sur le territoire amiénois et puis dans les Hauts-de-France d'avoir un écosystème vivant, vivace et qui est toujours tourné vers l'innovation. Et Talent est partenaire depuis des années du cluster Amiens Cluster. On soutient et on a toujours un représentant pour aider et accompagner les projets. Et puis, évidemment, le projet a été porté par le CHU et financé également par l'ARS. Je tiens juste à préciser, j'ai échangé ces jours-ci avec les docteurs Zerbib et Bro. L'application a été téléchargée aujourd'hui 7500 fois dans 75 pays. Dans 75 pays. Oui, c'est francophone, puisqu'elle est soutenue par des initiatives de l'association Réanimateur francophone. Voilà, c'est une belle réussite pour un déploiement local, hein, on est bien d'accord, hein, toute l'ingénierie qui est apportée sur cette application, et bien de l'antenne, je ne sais pas si on peut parler d'antenne, de Talent Hauts-de-France. Oui, Talent en Hauts-de-France, puisqu'on reste une entreprise qui accompagne au plus proche, d'où la volonté d'être plus représentée sur les régions et sur nos territoires pour accompagner au plus proche nos partenaires. On n'aime pas qu'on préfère partenaires, puisque c'est quand même des projets toujours innovants. Et pour les équipes, ça a aussi eu un sens, puisque c'était une période de confinement. Donc, tout a eu lieu grâce aux outils collaboratifs à distance, les entretiens d'écoute. Et à un moment où tout le monde se sentait un petit peu impuissant, puisque c'est un moment d'impuissance. On vit une contrainte, la Covid, c'est quelque chose d'inédit. Ça a donné du sens aussi. Et ce qui est très important, nous, c'est de faire des projets qui ont du sens et de redonner aux collègues le sens.
Alors justement, c'est vraiment donner du sens, le côté humain, plusieurs fois vous l'avez repris, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous avez en commun avec Ludovic Viard. Juste, je suis allé voir, vous avez été, pour donner un peu l'esprit de talent, dans ce concours international là où je suis bon vivre dans l'entreprise, j'ai vu que l'entreprise talent avait été à la 4e place des Greatest Place to Work, l'endroit où on se sent bien pour vivre, c'est le cas pour vous? Oui. Ça se ressent et on voit à quel point vous avez envie de le transmettre aussi auprès des personnes que vous accompagnez et d'ensemble de vos projets. Oui, mais comme vous l'avez dit, l'humain au centre, c'est d'abord l'humain, c'est nos collaborateurs, c'est l'expérience collaborateur au sein de l'entreprise, de leur projet, c'est l'expérience client. Et je pense qu'on peut pas mettre la technologie en avant. C'est la technologie, elle est au service d'eux. Il y a eu un philosophe italien qui l'année dernière disait sur Radio Culture, l'homme est esclave de la nature et maître du web. Et je pense que c'est un bon point de réflexion pour. Ça parle de santé, mais ça parle aussi d'humain. Et en fait, la technologie, c'est un outil. On a des outils formidables. Apprivoisons-les et accompagnons au mieux nos partenaires. Voilà, on voit cet l'esprit talent dans votre accompagnement. Et si on veut donner une perspective au projet que vous avez monté sur cette application, on est aujourd'hui au début de l'aventure, ça y est, c'est déployé. C'est déployé, une version en langue anglaise est prévue, puisque c'est très demandé et on a eu beaucoup de retours positifs sur l'utilisation. L'idée des docteurs Zerbib et Bro était vraiment nécessaire, elle répondait à un vrai besoin du milieu hospitalier et aujourd'hui il y a des demandes d'autres parties prenantes. Donc voilà, là on va déployer une version en anglais qui était prévue, on attendait de voir comment les réactions pourraient ajuster. Hein. Quand on fait un projet digital, on n'est jamais sûr de rien. Il faut toujours un petit peu itérer hein, et être sûr que ça réponde bien aux besoins. Donc, on sait qu'aujourd'hui, ça répond aux besoins et on peut aller un peu plus loin. Alors, vous l'avez dit, c'est un grand développement pour l'entreprise Talent, des beaux projets. Et donc, j'ai une question qui vient d'arriver de la part des internautes. Y a-t-il d'autres déclinaisons possibles pour cette application? Oui. Alors oui, nous on a fait une version qui est un peu une version bêta, qui était très facile d'utilisation, qui enregistrait pas non plus de la donnée, puisque c'est la donnée de santé, ben on parle de cybersécurité. Donc sur cette application, il y a aucun stockage de données. Donc il y a évidemment des volontés de la part des parties prenantes d'aller un peu plus loin pour créer aussi des administrateurs, etc. Pour l'instant, c'est juste en réflexion. En réflexion, puisque déjà l'utilité, ça répondait à un besoin très urgent, donc on a fait aussi dans l'urgence en peu de semaines. Et là, il y a des réflexions qui se posent. Alors, entreprise en plein développement, dans nos échanges, on avait parlé de plus de 30% actuellement de développement. C'est à peu près ça, non? Alors oui, par exemple, on a donc Hauts-de-France, on a deux sites qui sont Lille et Amiens. Et Amiens, qui était historiquement, qui a toujours porté le digital, avec la Covid, avec ces contraintes et avec les projets, puisqu'on accompagne quand même beaucoup d'applications métiers pour répondre aux besoins et trouver et aider et rendre une utilité, une efficacité, on a un recruté un peu plus de 30% et on est toujours en recrutement. Donc le digital, en Hauts-de-France, on est un peu moins d'une quarantaine de personnes aujourd'hui et on est toujours en recrutement. Voilà, pour prouver à quel point les projets innovants créent de l'emploi également sur nos territoires. Tout à fait. Et on a parlé et je vous remercie pour votre présence, puisqu'on a à chaque fois une présence féminine avec nous, c'est important pour ces rencontres de la recherche et de l'innovation. Il ne faut pas hésiter, aux dames et demoiselles, hein, vous faites un appel, manque de candidatures féminines. Voilà, c'est un appel, et puis bon, c'est une entreprise où c'est quand même bon vivre, et qui a des plans aussi de formation, de carrière. Et dans les métiers, dans les entreprises comme nous qui sommes des cabinets conseils, on n'a pas seulement des métiers d'experts techniques, on a aussi d'autres métiers. Donc, faut vraiment ouvrir les chakras et se dire que tout le monde peut approcher, puisqu'on a aussi des actions sur le territoire avec Pôle emploi, avec des associations, on accompagne et il est important de rendre à nos territoires et d'aider les territoires à se développer.
Alors c'est un peu évidemment le but de ces rencontres, de ces échanges aussi, de montrer à quel point on a des projets innovants qui témoignent d'une dynamique de territoire. Et VirtuSense en est un bel exemple. On parlait d'humain avec Laurent Viard, qui est cofondateur de VirtuSense. On va expliquer un petit peu pour que tout le monde vous imagine bien. On a une vidéo qui a été préparée. On a coupé le son pour que vous puissiez commenter en même temps la vidéo, également le cofondateur, l'équipe hein, VirtuSense. Et qu'on comprenne bien quel est l'outil. Je pense que le mieux, c'est de démarrer par cette vidéo, que vous puissiez nous expliquer pour que tout le monde ait en tête, celles et ceux qui nous suivent derrière les écrans et qui sont en salle, et qui imaginent tout de suite la plus-value de ce que vous avez inventé. C'est pour moi extrêmement spectaculaire. C'est parti en images et je vous laisse commenter évidemment un peu avec nous. C'est parti. D'accord. Donc, alors, VirtuSense, en fait, c'est une capsule de voyage sensoriel. Donc, on peut la voir derrière Guillaume Lucas, qui est le second associé. On est trois associés. Donc, il y a Xavier Mélin, qui est à l'origine du projet, qui a imaginé cet appareil pour sa fille, Lilou, qui est autiste. Et qui, donc, il a imaginé le fait de pouvoir utiliser de la réalité virtuelle, donc, pour la faire voyager. Donc, on va se retrouver dans des environnements en 360 degrés. Où on peut regarder autour de soi, en haut, en bas, là où, comme si on y était vraiment. Nous, notre innovation, elle est plus sur la machine qui est autour, qui permet en plus de cette sensation de pouvoir ressentir le vent. Donc, on voit par exemple sur la vidéo, on voit le vent qui arrive donc en 360 degrés, la chaleur, donc ressentir un peu la chaleur du soleil et les odeurs. Donc là, on est vraiment immersif. Et on a pour objectif de pouvoir faire profiter les personnes, donc plutôt des personnes fragilisées, des personnes qui vont être en établissement hospitalier, donc en EHPAD, en IME, dans les MAS, dans tous les établissements où ils n'ont pas la possibilité de pouvoir voyager, de pouvoir voir ce qui se passe autour d'eux. Donc voilà, c'était notre cible initiale. On a des demandes sur différents événements, dans l'événementiel, dans le bien-être en entreprise. On en parlait juste avant. On a voilà toutes des demandes. Notre priorité, elle est vraiment sur la santé. Donc je parlais de l'humain juste avant. C'est vraiment orienté sur la santé en priorité. C'est là où on met vraiment notre priorité. Alors VirtuSense, ça existe depuis quelle année vous avez ouvert le projet? Alors, ça fait 2 ans que c'est ouvert. Donc, Xavier a eu l'idée il y a de ça 8 ans. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on a démarré l'activité. Alors, vous en êtes aujourd'hui dans l'activité. On a déjà des solutions qui sont déjà installées, mais on est au démarrage de l'aventure. Voilà, on est vraiment aux prémices de l'aventure. On a actuellement une vingtaine d'établissements qui utilisent notre capsule de voyage. On le retrouve dans des établissements de santé, dans des hôpitaux, dans des MAS, des IME, en cabinet chez une psychologue, sophrologue. Donc voilà, on a différents établissements qui l'utilisent constamment. Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment ce projet-là, vous l'avez dit, vous l'avez monté à trois. Voilà, c'est une belle aventure humaine déjà de se réunir. Vous avez été accompagné dès le départ, vous veniez de profils différents, de perspectives, et vous êtes passé par plusieurs structures d'accompagnement. Expliquez-nous, c'est important pour les porteurs de projets qui nous écoutent, parce que c'est encore récent, là on peut vraiment parler de start-up. Exactement. Donc en fait, effectivement, on a trois profils différents. C'est-à-dire que Xavier a vraiment un profil commercial à l'origine, Guillaume a plutôt un profil financier et moi plutôt un profil technique. Donc on a vraiment trois profils différents. On a commencé l'aventure, donc Xavier est allé en incubation à Aura Technologies à Lille, là où on a pu rencontrer Guillaume, qui est donc le troisième associé. Donc ça a permis vraiment des rencontres. Aura Technologies Lille nous a permis aussi d'avoir toutes les billes pour démarrer l'aventure, avoir les informations nécessaires pour pouvoir monter tout ça. Et on a aussi, grâce à eux, eu un accès au Tech Shop de Lille, qui nous a permis de concevoir la première machine, donc le premier prototype pour mettre en place chez des patients. Suite à ça, on a été incubé donc à Eura Technologies Saint-Quentin. Donc là, ça nous a permis encore de belles rencontres. Donc on a trouvé des partenaires comme Innovaltech. On a Quantumplast, hein, qui sont des partenaires maintenant industriels qui nous accompagnent dans la conception, réalisation de produits pour pouvoir faire évoluer notre machine et donc ils continuent actuellement à nous suivre.
On a aussi eu des financements, donc toujours grâce à Euratech Saint-Quentin. Donc, ils nous ont mis en relation, ils nous ont aidés à créer les dossiers, à monter les dossiers. Donc, on a eu des financements par France Active, la BPI, la région et HDFID. Et suite à ça, donc, on a continué notre aventure. On s'est rendu compte lors d'événements, parce qu'avec Euratechnologie, l'avantage, c'est qu'on a on participait à des événements pour pouvoir mettre en place notre machine, la montrer, la mettre en place dans des établissements. Et on s'est rendu compte que notre capsule de voyage qui était faite à l'origine pour la relaxation et la détente apportait beaucoup plus. Et donc, on a rejoint l'incubateur Eurasanté pour donc étudier le fait de pouvoir passer notre machine en dispositif médical. Donc là, on est en train d'étudier la chose. On a, grâce à Eurasanté, refait... eu des financements donc, par France Active et la BPI, mais ensuite on a eu aussi Autonomie et Solidarité qui nous ont accompagnés pour justement pouvoir actuellement avoir des locaux, recruter, acheter, enfin, investir dans du matériel pour pouvoir en arriver là où on en est. Et pareil, on a eu deux belles rencontres, enfin des belles rencontres, dont deux vraiment qui sont vraiment intéressantes en ce moment. On a Eurasanté nous a proposé de faire d'aller présenter notre dispositif en soins palliatifs au CHR de Lille. Donc on est allé le mettre en place, on a fait une démonstration. La cadre de santé nous a proposé de tester avec une patiente qui était malheureusement en souffrance constante sous morphine et qui souffrait beaucoup. On l'a mise dans la capsule de voyage et donc on lui a proposé une expérience de 15 minutes. Et pendant à la sortie de ces 15 minutes, cette personne a pu se relâcher et nous a répondu, nous a annoncé que durant cette expérience, elle a pu faire partir une grosse partie de sa douleur, pas la totalité malheureusement, mais une grosse partie, l'oublier pendant l'espace de quelques instants. Voilà. Ouais, et c'est incroyable, hein. C'est l'un des exemples spectaculaires. Donc, il y a des études qui vont poursuivre encore. Hein. Il y a d'autres projets. Ça a ouvert ce constat de l'efficacité de cette capsule de voyage de VirtuSense ouvre la possibilité de faire d'autres études pour aller encore plus loin sur l'efficacité santé de votre solution. Voilà, exactement. Bah, du coup, le soin palliatif du CHR de Lille sont accrédités recherche. Et donc, la cadre de santé nous a proposé de faire une étude justement sur les bienfaits. Donc là, on attend la validation du CPP de l'ARS pour le mois prochain. Et donc, il y a une thèse qui va être faite sur la machine donc, en janvier. Voilà. Et après, on a aussi un partenariat qui a été créé grâce à Eurasanté, encore une fois, avec Santélis. Donc, Santélis qui s'occupe du maintien à domicile, qui s'occupe des dialyses à domicile, etc. On est en train de travailler avec eux sur la conception d'une machine transportable pour justement le maintien à domicile. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de voir où vous en êtes aujourd'hui. J'ai une question internaute un peu triviale, brute, hein, comme ça. Tiens, en trois mots, combien ça coûte ? Point d'interrogation. Alors, c'est un peu peut-être compliqué de répondre à cette question. Voilà. Alors oui, c'est compliqué, oui et non. En fait, notre système est en location. Donc, on a différentes offres en fonction de différentes versions de machines, comme on évolue très vite, on a différentes offres. On est sur une offre, pour donner un tarif un peu approximatif, on est à 849 € de location pour un engagement d'un an, après qui est dégressif en fonction du nombre d'années, en fonction du type de machine. Voilà, mais en gros, on est dans cette fourchette-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment, c'est une solution qui est étudiée en région. C'est Made in Hauts-de-France, on peut le dire. D'ailleurs, vous serez ce week-end au salon Made in Hauts-de-France, entre autres. Hein, ouais. Et que là, vous démarrez une prochaine démarche de recrutement pour aller... parce que là, la solution est aboutie. La prochaine étape, c'est de la rendre encore un peu plus concrète sur les marchés et de proposer une solution. Donc là, on peut le dire, hein, vu le recrutement au niveau commerce, un vidéaste aussi, vous allez recruter pour faire tout l'ensemble des films qui sont dans la capsule de voyage. Voilà, alors on a recruté le vidéaste, donc il est chez nous déjà actuellement. Par contre, oui, on recrute effectivement, là on va accélérer la commercialisation, donc on va recruter des commerciaux, des business developers, et on va accélérer aussi la fabrication et la production et l'étude et développement, la recherche et développement, pardon, en recrutant aussi des profils plutôt développeurs et ingénieur.
Voilà, on arrive au bout de cette présentation de deux exemples de beaux success stories. Il y a de vrais potentiels pour les deux entreprises, hein, de tailles différentes en start-up. Hein. Je tiens à rappeler que Virtisense, on va vous mettre les coordonnées, les contacts justement sur aussi bien pour l'entreprise Talent, pour cet accompagnement humain et Virtisense aussi. Et sachez-le, il y a un vrai développement même européen pour Virtisense. Hein. Vous avez un client qui est une institut belge et qui devient lui-même revendeur en Belgique, Luxembourg et Suisse. Donc, c'est le début de l'aventure et on vous souhaite à tous les deux que l'aventure continue le plus loin possible. Merci. Avec ce même état d'esprit, l'humain au cœur de vos solutions. Je vous remercie beaucoup pour ces présentations. Encore deux beaux exemples de success story. On a parlé tout à l'heure un peu de biotech, évidemment, au rendez-vous. On va aller encore un peu plus loin avec deux solutions qui vous sont proposées avec Florian Cardon, directeur des opérations chez Samabriva, et Fabien Lombardi, directeur R&D chez OpenStent Solutions. C'est parti pour le troisième volet de ces success stories. Alors, je vous invite toujours à participer, toujours à la question Bicast. Que, d'après vous, pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de répondre, vous pouvez continuer à répondre avec nous à cette question. D'après vous, la santé en 2030, d'après vous, quel est le mot qui est le plus représentatif? Vous pouvez toujours enrichir, si vous ne l'avez pas encore fait, enrichir d'après vous un mot. On a parlé beaucoup de choses, hein, données de santé qui va être peut-être au cœur des enjeux à l'horizon 2030. On a parlé d'humain aussi, parmi les mots qui ont été relevés. Je vais vous poser exactement la même question à Florian Cardon de Samabriva. Vous auriez, d'après vous, en 2030, le visage de la santé, si vous devez choisir un mot? Ambitieuse. Ambitieuse. Ah oui, ça, c'est un beau mot. On le retrouve pas beaucoup dans le de mots-clés, tiens. Cet aspect ambition. Il y a d'ailleurs un petit aspect un peu parfois pessimiste aussi, hein. Donc, c'est important de ramener un peu de positivisme sur ces mots-clés. Et vous, Fabien Lombardi, vous deviez choisir un mot. Alors, peut-être. Innovation. Ah, rupture, innovation. C'est vrai qu'en 8 ans, on peut imaginer, maintenant 8 ans, on peut dire 8 ans, l'horizon 2030, je dis bien, j'étais en train de calculer, mais on sera déjà dans 8 ans en 2030. Et de la rupture, en tout cas, vous pouvez tous les deux en témoigner de cette rupture technologique ou de cette approche par vos projets de biotech. On a deux entreprises Success Story qui sont avec nous. Une belle présentation. On va commencer avec vous, Florian Cardon. Vous êtes directeur des opérations chez Samabriva. Donc, on entend bien le côté attache du territoire dans le nom de Samabriva. C'est au cœur. Hein. Je suis le local de l'étape. Comment ? Je suis le local de l'étape. Local de l'étape, hein, pur amiénois ici avec nous. Alors, racontez-nous quel est le projet Samabriva et surtout le démarrage, parce que je pense qu'en partant de l'aventure humaine, on explique très très bien quelle est votre approche. Oui, alors effectivement, l'approche, c'est l'innovation par la recherche. Et l'histoire commence par une aventure humaine, une rencontre entre un professeur de l'Université de Picardie-Luverne, le professeur Michel Boitel, qui dans son laboratoire avait développé une technologie de culture de racines et qui a rencontré dans les fins des années 2000 un médecin qui cherchait à produire une molécule et qui, avec les systèmes classiques de production, n'arrivait pas à accéder à cette molécule-là et qui a soumis l'idée au professeur Michel Boitel de produire des molécules avec ses racines. Et c'est de là que l'idée est née. Et ensuite, elle a maturé le projet au sein de l'université qui a permis la création en 2011 de la société Samabriva. Et donc, Samabriva a eu pour objet de passer de la paillasse à un objet pré-industriel à l'heure actuelle. Alors, on va expliquer, parce que c'est très curieux, cette technologie. Moi, personnellement, avant de préparer nos échanges, je ne connaissais pas du tout. Comment alors, ça ce développement. Alors, on a une photo. C'est juste une image et je pense que ce sera peut-être l'idéal pour illustrer la solution qui est proposée par les équipes de Samabriva. Je vous laisse expliquer. Alors, effectivement, j'ai en préambule précisé qu'on cultivait des racines. Aujourd'hui en bioréacteur, ce ne sont pas les racines naturelles de la plante, ce sont des racines qui sont modifiées. Le professeur Michel Boitel est parti d'un élément naturel, d'un phénomène naturel de symbiose entre une bactérie et la plante, où lorsque la bactérie infecte la plante, elle permet à la cellule infectée de se différencier en cellule racinaire. Et cette cellule racinaire va croître indéfiniment sans géotropisme et de manière isolée.
Donc, on est capable aujourd'hui de cultiver uniquement la partie racinaire de la plante sans avoir les parties aériennes et chlorophylles. Et vous y arrivez à y implanter ou à y développer les atouts, les enzymes, je ne sais pas si j'utilise les bons termes, mais les atouts que vous voulez développer, les solutions pour vos clients aussi. Et effectivement, donc l'idée c'est de... Samab Riva a du savoir-faire et de la propriété intellectuelle dans la culture de cette racine, puisqu'il a fallu passer de la paillasse, donc dans une petite bouteille, à un gros volume de plusieurs centaines de litres aujourd'hui. Et on a, grâce aux outils de biologie moléculaire, pu modifier ces racines-là pour les forcer à produire des molécules. Ces molécules peuvent être des protéines ou des composés naturels des plantes, effectivement. Alors c'est très large, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme application avec ce que vous développez? Alors nous, on est principalement dirigé sur le marché pharmaceutique. Donc on fait du B2B avec des groupes pharmaceutiques qui nous demandent de produire des molécules. Et on est sur vraiment tout champ thérapeutique avec soit des protéines recombinantes. Donc une protéine recombinante, c'est une protéine qui est produite dans un organisme différent de son organisme d'origine. Pour faire simple, par exemple, une protéine humaine dans la plante, c'est ce qu'on appelle une protéine recombinante. Ou alors des composés naturels qui sont produits par des plantes. Et à l'heure actuelle, il y a une problématique avec le réchauffement climatique, les problèmes géopolitiques, où on a des molécules qui sont utilisées en pharma qui sont produites à l'autre bout du monde, dans des zones qui sont compliquées, et où demain, avec le réchauffement climatique, ces cultures sont menacées. Notre technologie permet de produire, dans un environnement contrôlé et confiné, en bioréacteur, ces molécules-là. Alors c'est exceptionnel quand on voit ce beau projet, tout le potentiel que cela représente. On se pose la question du point de départ. Alors Samab Riva a été ouvert en quelle année ? 2011. Comment a démarré l'aventure ? Est-ce que vous avez été accompagné une fois que vous êtes parti du projet ? Vous avez parlé des partenariats, de cette rencontre sur le projet Samab Riva. S'est appuyé sur quoi ? Effectivement, sur le réseau local, puisque l'histoire est née au sein de l'université. On est hébergé encore aujourd'hui à l'université, ce qui montre nos liens avec l'emprise locale. Et on a été accompagné par la région Hauts-de-France via des subventions ou des avances remboursables, via BPI France, forcément, et puis aussi via l'Europe avec des financements de type Horizon 2020 dont nous avons bénéficié et qui ont permis aujourd'hui le développement d'une technologie qui est proche de l'industrialisation. Alors, on est vraiment proche, on est à cette pré-étape. Est-ce que c'est intéressant de montrer quelles sont les singularités de la solution proposée par Samab Riva? Notamment, vous avez parlé, il y a un vrai intérêt par rapport au marché du médicament dans le monde entier, cette possibilité-là de relocaliser une partie de cette industrie. Expliquez-nous de quelle façon. Alors, l'idée, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, d'essayer d'aujourd'hui, on est dans un monde qui doit être plus durable, plus sustainable, et donc on doit améliorer aussi notre empreinte écologique. On a des menaces géopolitiques, des menaces climatiques sur l'approvisionnement sur certaines molécules naturelles de plantes, et notre technologie va permettre de la production ici en Europe de ces molécules-là en étant plus écologique, plus durable et financièrement rentable. Alors, quand on voit le développement de molécules sur ces racines, on pense que ça peut être que des molécules d'origine végétale, mais ce n'est pas forcément que ça. Non, on a une grande expertise chez Samab Riva dans la manipulation génétique des plantes, et donc on essaye de forcer les racines à produire des molécules humaines, entre autres par exemple. On a un fort domaine d'expertise sur les maladies rares, notamment. Donc, c'est un vrai potentiel. Si on veut donner, puisque là, vous êtes déjà en action, en vraie étape avant l'industrialisation, si on veut donner l'opportunité de marché que cela représente en chiffres. Alors, métabolites, composés naturels de plantes plus protéines recombinantes, on est sur des marchés en milliards, autour d'une trentaine de milliards de dollars par an de chiffre d'affaires. Voilà, ce qui offre de belles perspectives sur notre territoire, je l'espère. Vous avez déjà imaginé à quel endroit se ferait cette industrialisation, le développement Alors là, pour l'instant, on a un procédé qui est totalement maîtrisé chez Samab Riva. Et ce qui nous reste, c'est à adapter et à prendre en compte les réglementations de production GMP réglementaires pour le domaine pharmaceutique. Donc ça, c'est ce qui est en cours. C'est pour ça qu'on fait l'objet d'une levée de fonds en ce moment. Pour financer ça. Et ensuite, dans les 2-3 ans à venir, l'idée, c'est oui, effectivement, d'industrialiser sur le territoire.
Voilà, belle présentation, une belle aventure, une success story de biotech avec nous. Merci beaucoup, évidemment, si vous avez des questions. Alors, j'ai une question internaute qui arrive avec nous sous les écrans. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'ensemble des intervenants. D'autres applications que les maladies rares, est-ce que c'est vraiment une recherche de maladies niches, de solutions de niche, ou ça peut s'adresser à des solutions plus larges? Non, on a un champ extrêmement large et ça dépend des partenariats qu'on a avec les industries pharmaceutiques, où l'idée c'est pour chaque molécule, on est adossé à un partenaire pharmaceutique qui lui vient avec une idée et on développe ensemble sur la molécule. Et ce n'est pas restreint à uniquement les maladies rares. Pour avoir un chiffre d'affaires de 33 milliards, non, c'est assez large. Oui, c'est plutôt le contraire, ça se destine à tous, y compris à des maladies rares. C'est plutôt ça la force de notre solution. C'est exactement ça. Et au départ, forcément, il faut faire des choix. Et les maladies rares nous ont semblé un bon choix au départ. Alors, pour celles et ceux qui découvrent la solution de Samabriva et qui souhaitent être en contact avec les équipes et Florian Cardon qui est avec nous, je vous rappelle qu'on vous laissera les coordonnées à la fin de cette séquence de Success Story, puisqu'on parle de biotech. Là, on a parlé de solutions vraiment biologiques. Et là, on va parler plutôt de solutions technologiques. On a deux profils différents, mais on est bien dans la biotech, dans les deux cas, avec Fabien Lombardi, directeur R&D d'OpenStent Solutions. Alors, quand on veut parler du projet OpenStent Solution, c'est déjà dans le titre. Hein. Le titre est très bien choisi dans la solution que vous proposez. Une solution complètement disruptive par rapport à ce qui existe déjà pas sur le marché, puisqu'il n'y a pas de devices qui sont commercialisés pour l'instant. Et ça vient vraiment d'un besoin. Il y a vraiment deux chiffres à retenir. C'est 80% de la population, 2% de la population mondiale souffriront d'insuffisance mitrale. Et seulement 10% de ces 2% sont traités par des solutions thérapeutiques à présent. Alors, quand on dit le nom d'entreprise OpenStent Solutions, on parle bien des stents, des solutions pour quelques problèmes cardiaques. Hein, mais à part que là, vous l'avez complètement imaginé autrement pour faire face à celles et ceux qui ne pouvaient pas profiter des systèmes actuels. Exactement. Alors, expliquez-nous comment c'est possible, ça, d'ouvrir. On a du mal à imaginer quand on est un peu néophyte. On se dit c'est un appareil qui est bien physique. Quand on parle de l'ouvrir, on se dit on est en contact avec les éléments. Comment ça se matérialise réellement? Alors, il faut savoir que les stents conventionnels sont des stents à ouverture radiale. Parlez bien près du micro, s'il vous plaît. À ouverture radiale. Donc, ils sont transférés dans systèmes de délivrance d'une façon radiale. L'insuffisance mitrale doit traiter des patients avec des diamètres de valves qui sont très importants, de l'ordre de 48-50 mm de diamètre. Et rentrer ce dispositif ou cette valve dans un système de largage qui va permettre de monter la valve de la jambe jusqu'au cœur est très challenging dans le sens où 50 mm dans un petit diamètre de 6-7 mm, c'est impossible. Donc l'idée d'OpenStent Solution, c'est d'ouvrir ce stent et de passer comme dans un ruban qui sera donc chargé dans ce système de délivrance d'une façon longitudinale, ce qui nous permet vraiment de descendre les systèmes de délivrance dans des petits diamètres qui pourront donc traiter un nombre important de patients. Oui, l'enjeu est incroyable. Hein. Vous l'avez dit au tout début, vous avez parlé de personnes qui sont inopérables aujourd'hui et de personnes qui 80% de certaines personnes ne sont pas traitées pour certains cas. Il n'y a pas de thérapie pour l'instant. Il n'y a pas de thérapie. Et là, votre solution, vous l'avez imaginée. Alors, c'est une aventure humaine au départ. Expliquez-nous justement le point de départ. Alors, le point de départ, c'est donc le docteur Carmi du CHU d'Amiens qui a... par son expérience, n'a pas trouvé de solution à ses patients. Et donc, a imaginé d'ouvrir ce stent et cette valve. Alors aujourd'hui, on en est où on est au développement. Aujourd'hui, c'est déjà, il y a ce qui a déjà eu des opérations, enfin ce qui est déjà installé, ou alors on est vraiment au début de l'aventure? On est encore vraiment au début de l'aventure. On est en train de faire sauter les verrous technologiques que cette nouvelle technologie disruptive apporte. Nous sommes
à la preuve de concept et nous, donc, nous développons ce concept et pour pouvoir faire des tests incessamment sous peu pour le développement. Alors, je suppose que vous avez quelques partenaires techniques, vous ne réalisez pas tout ça tout seul en interne, il vous faut un peu d'accompagnement, je suppose. Alors, on a des accompagnements, effectivement, alors financiers. Au niveau du financement, on a été financé à hauteur de 2,5 millions jusqu'à présent pour donc développer ce concept, donc par la BPI, par Eurasanté, par des investisseurs privés aussi. Et donc, nous sommes à ce stade de développement. Et en partenaire technique, vous travaillez avec d'autres entreprises ou vous essayez de tout développer en interne? Alors, la conception est développée par nos soins et nous avons des partenaires et des consultants qui viennent nous aider sporadiquement sur certains points vraiment techniques du système. Voilà, ce qui est impressionnant, c'est la capacité, l'ouverture, le potentiel qu'offre votre solution, déjà en termes de santé pure, hein, c'est de pouvoir trouver une solution pour soigner des personnes qui n'étaient pas dont il n'y avait pas de solution de soins. Et donc, je suppose que aussi, c'est une vraie opportunité de marché aussi à l'international aussi. Donc, tout ça est imaginé. On peut imaginer une solution aboutie, industrialisée, à quelle échelle en termes de temps? Alors, l'idée, c'est de passer sur un développement sur 3 ans, donc 2 ans de développement pur et 1 an de vérification, donc tout ce qui est test, pour faire une première chez l'homme, on espère en 2025, et une commercialisation, il faut compter encore au moins 4 ans après cette première étude humaine. Alors, j'ai une question de la part de nos internautes, nos télénautes. Toutes les équipes de chirurgie pourront-elles déployer ce type de stent? Une formation spécifique sera-t-elle nécessaire? Alors, toutes les équipes de chirurgie pourront l'utiliser et on aura des trainings proposés pour ces utilisateurs dans les prochains mois, voire années qui viennent. Alors ça, c'est déjà anticipé, hein. Je suppose que quand vous imaginez ces solutions-là, il y a cette capacité de pouvoir rendre facilement accessible cette technologie, cette solution, et d'accompagner les formations. Est-ce que c'est des formations qui sont lourdes pour la part des chirurgiens qui pratiquent déjà ce type d'acte, ou alors c'est une adaptation plutôt des pratiques? C'est plus une adaptation des pratiques qui sont déjà en place pour d'autres thérapies qui plus sur la valve aortique que sur la valve mitrale, mais les techniques opératoires seront les mêmes, vraiment. Alors c'est bon à savoir, hein, pour les professeurs, les professionnels de santé, celles et ceux qui nous suivent, hein, évidemment, tout au long de cette journée. Vous l'avez dit, c'est le début de l'aventure. D'ailleurs, vous êtes actuellement en levée de fonds, hein. Voilà, on a fini notre première levée de fonds et on va attaquer une deuxième levée de fonds d'ici les prochains mois pour donc supporter toute le développement proprement dit du système et aboutir à un essai clinique, on espère, en 2025. Quand on a préparé nos échanges, vous avez soulevé quelque chose qui est important, puisqu'on parle d'ambition, de santé et d'ambition également de business, un modèle, hein. On a une vraie solution technique et les deux sont loin d'être incompatibles. C'est de pouvoir garder cette compétence-là, cette technologie chez nous. Et c'est un sujet qui est souvent abordé lors des rencontres de la recherche et de l'innovation. Quelle est la frontière entre l'idée de mettre en open source, d'ouvrir les recherches de santé, les solutions, et au contraire savoir garder un savoir-faire, savoir garder une plus-value par rapport aux travaux qui sont réalisés ici sur les territoires? C'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez? Oui, effectivement, oui. Alors moi, je suis un produit de la réimpatriation, si on peut dire. Malheureusement, on voit de plus en plus que toutes nos technologies partent à l'étranger, surtout dans les medical devices. Il faut savoir que les deux plus importants dispositifs de remplacement de valve aortique ont été développés par des Français et ont été exportés aux États-Unis ou rachetés par des Américains. Et ça serait bien qu'on puisse un jour récupérer et garder ces technologies en France pour faire avancer
et développer d'autres produits dans ce même... Créer de l'emploi, conserver ce territoire dynamique avec toutes les initiatives, y compris auxquelles les entreprises, on l'a compris, bénéficient pour démarrer ces belles aventures. On vous sent tous les deux assez conscients, attachés à votre territoire. Hein, ça se sent tout de suite dans le nom de Saint-Mabrivat, évidemment. Mais là également, attachés à ce développement sur territoire. À chaque fois, c'est point de départ d'aventure humaine, mais évidemment, votre inquiétude est celle de relever. Bon, l'inquiétude de voir partir ses compétences, c'est quelque chose qui interroge aussi Saint-Mabrivat. On est attaché à nos racines. Ouais. Petit jeu de mots. Comment cultiver les racines, voilà. Mais oui, on est aussi attaché à l'historique de la société, d'où l'histoire est née. Les principaux, les premiers investisseurs sont locaux, privés ou publics. Et oui, on attache particulièrement un réel intérêt à rendre aussi à ce que le territoire nous a apporté. Alors, j'ai une question internaute, très très vite, on va y répondre, cette fois-ci plutôt pour Monsieur Lombardi. Quelles sont les compétences essentielles pour la conception de ce dispositif, de ce stent? Faut-il des compétences uniquement médicales? Absolument pas. c'est de l'ingénierie pure. Le corps humain est une machine et nous construisons un dispositif qui est une machine. Alors, on sait bien entendu des intervenants ou des personnes qui vont utiliser pour, bien entendu, développer une solution qui soit viable et qui soit pas dangereuse surtout. Alors, je suis très curieux de savoir quel est le profil de la personne qui a posé cette question, mais peut-être une entreprise qui cherche peut-être à vous aider sur le développement. Alors, on cherche des personnes, on cherche un ingénieur pour l'instant. Ah bah voilà, peut-être qu'un ingénieur ou partenaire, eh bien justement, va vous mettre en image les contacts de nos deux success stories. C'est les deux dernières success stories d'entreprises incroyables, Saint-Mabrivat, OpenStent Solutions. Vous avez les coordonnées directement. Vous voyez, on vous cache rien. Des intervenants qui sont avec nous, n'hésitez pas à échanger avec eux et si vous pensez être utile, évidemment, eh bien, profitez de ces rencontres. Tel que le terme, vous voulez ajouter quelque chose? Merci pour l'invitation et merci aux organisateurs. Voilà, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Vous relayez. Merci à vous d'avoir témoigné. La richesse, la dynamique de la biotech sur le territoire, c'est la fin de ce deuxième temps fort. Je vous laisse regagner votre place. Vous l'avez compris, depuis le début, on a beaucoup parlé de dispositifs d'accompagnement, de structures d'accompagnement. Et la région de France en est peut-être fière. On peut bonder le torse. On a des entreprises, des structures, des incubateurs. Bref, beaucoup d'outils qui sont à disposition. Des porteurs de projets qui sont gages de réussite, vous l'avez compris, c'est le troisième temps fort, les structures et dispositifs d'accompagnement sur le territoire des Hauts-de-France. C'est parti. Alors, vous l'avez vu à chaque fois, à chaque passage de mots-clés, ce serait dommage sur cette journée de matinée dédiée à la santé et dédiée évidemment aux bonnes pratiques, à la découverte, aux innovations. À chaque fois, on a des équipes qui travaillent, qui vous nettoient les micros. On est en pleine condition Covid. Hein, là, et on a bien un mètre de distance entre nous. Je vais accueillir avec moi Olivier Coupier, qui est responsable de bio-incubateur EuraSanté, dont on a beaucoup parlé depuis le début de cette matinée, et de Anne-Charlotte Pupin, qui est responsable du Clubster NSL Nutrition, santé, longévité. On va parler dans un instant ensemble et c'est important de vous amener ensemble sur cette dynamique territoriale puisqu'on a la chance d'avoir des acteurs, d'un écosystème qui s'enrichit des uns des autres et c'est tout l'intérêt de ces rencontres de la recherche et de l'innovation. Je vais vous inviter aussi à répondre, vous aussi qui nous suivez Télénote, à la question Bicast qui se présente devant vous. On vous remet le QR code si vous n'avez pas eu encore l'occasion depuis 9h ce matin de télécharger, vous scannez très très vite le QR code, hein, en principe directement avec l'application photo, ça marche. Maintenant, aujourd'hui, avec les conditions Covid, on sait de plus en plus scanner les QR codes. Vous allez vous retrouver sur cette page qui vous pose cette question, d'après vous. Vous souhaitez entreprendre. Quels sont, d'après vous, vos besoins? Vous êtes porteur de projet, vous êtes une entreprise, vous avez quel que soit votre profil étudiant. Bref, vous avez cet instinct d'entreprendre. Quels sont vos besoins? On vous laisse plusieurs choix. On vous demande de prioriser. Vous avez, je crois, plusieurs choix possibles. On va me confirmer ou pas à l'oreillette.
Alors, on a 20 points à répartir sur plusieurs choix. Voilà, merci bien. Alors, vous avez l'innovation, la RH. En gros, c'est quel type d'aide hein, vous avez besoin. L'innovation, RH, des offres d'hébergement, de l'accompagnement de manière générale, la mise en réseau, l'incubation pépinière et le financement. Voilà, on a essayé de centrer un peu l'ensemble des besoins. On a les premiers résultats qui arrivent. Même si on a les premiers résultats, vous pouvez continuer à enrichir. Hein, si vous avez en train d'enregistrer le QR code, en train de répondre. On va peut-être le mettre en image. Allez, en grand sur ces solutions. Alors, on va voir parce que évidemment, c'est sur un déroulement. Et c'est assez large. Hein, finalement, c'est assez bien réparti. Je vois la mise en réseau qui augmente. J'ai du mal à dire celui qui le plus qui se dégage le plus. Alors c'est mis par ordre de priorité, celui qui a plus de points arrive en premier, donc on va aller en haut de tableau et on va voir tout de suite que c'est l'accompagnement évidemment au sens large qui est pratiquement un quart. L'innovation derrière, besoin de vous accompagner sur vos innovations ou de la création d'innovations dans vos structures. Le financement qui arrive en troisième, c'est pas surprenant. Ah, on a le classement qui est en train, on vous laisse répondre. On est en train de voir en direct. Est-ce que ça vous surprend, vous qui êtes structure d'accompagnement, au sens large, puisque quand on parle d'accompagnement au sens large, vous pourriez répondre à toutes les solutions proposées, au moins de mettre la mise en relation à toutes les solutions proposées. Olivier Coupier, vous qui êtes responsable du bio incubateur Aura Santé, ça vous surprend les résultats qui arrivent? D'après vous, quel aurait été le premier parmi les solutions qui sont proposées? Alors moi, ça me surprend pas du tout. Pour moi, c'est vraiment un besoin 360 et un accompagnement 360 qu'ont besoin les entrepreneurs, les porteurs de projets et les startups depuis en fait le stade de l'idéation, depuis le stade du laboratoire d'amorçage. Donc le fait que ce soit vraiment on va dire des résultats qui soient très égalitaires entre toutes ces choses-là, ça me surprend pas. Évidemment, le financement, c'est quand même un des sujets parce que c'est la clé, c'est ça qui permet de déclencher le reste. Ça me surprend pas que ce soit aussi parmi les choix numéro un en fait des gens ici et derrière leur écran. Alors, pareil, je vous pose la même question hein, pour le Clubster NSL. Hein, ça, il a bien répondu, Olivier Coupier. Oui, il a bien répondu. Il a bien répondu. Je le soutiens. Vous le soutenez, là, et un accompagnement 360, c'est toute la force des structures que vous représentez, c'est d'avoir une vision globale, évidemment, de l'écosystème qui règne sur le territoire de France, dont on est très, très bien doté. On peut être fier hein, de cet écosystème et de pouvoir jouer ce rôle d'acteur, d'accompagnateur. Alors, vous avez préparé quelques slides qui permettent de présenter. Alors, on va commencer avec Aura Santé. On a bien beau parler hein, d'Aura Santé depuis le début. On voit beaucoup d'entreprises que vous avez accompagnées justement et sur lesquelles vous avez joué ce rôle de relationnel. On va découvrir justement ce que représente Aura Santé. On va mettre la première slide qui vous est dédiée. On a quelques chiffres clés. Expliquez-nous un petit peu. Alors oui, Aura Santé, donc pour revenir, on est l'agence de développement économique en santé et en Hauts-de-France. On est actif sur l'ensemble du territoire de la région. Je vais quand même revenir en un instant sur notre mission, c'est créer de la valeur et de l'emploi sur l'ensemble de ce territoire, tout en améliorant la prévention et le soin. Et c'est ça qui nous motive réellement au quotidien aujourd'hui. On est une filière importante, puisqu'on est le troisième pôle d'excellence après Paris et la région Rhône-Alpes en santé et en nutrition. Avec plus de quasiment 32 000 salariés et 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés par les entreprises de la filière. Voilà, on va dans quelques chiffres marqueurs de l'atout que représente Aura Santé. Alors, à qui c'est destiné pour quel service Aura Santé est bien présent sur ce territoire des Hauts-de-France? C'est destiné à tous les porteurs de projets et toutes les entreprises de la filière, quelle que soit leur taille. Ça va de la petite TPE, PME, jusqu'à l'entreprise cotée en bourse, avec différents services qu'on peut offrir en interne, que ce soit sur des parties études de marché, aide au financement, recrutement, communication, mise en réseau, etc. Alors, on va voir sur cette deuxième slide un peu hein, le rendez-vous avec tout l'ensemble de ces services. On voit bien à quel point c'est important. Je rappelle qu'on pourra revoir évidemment tous ces éléments ensemble. Alors, il y a déjà, on peut dire, une belle réussite. Hein. Bon, on l'a vu à travers les acteurs, hein, un beau résultat qui est déjà bien remarqué de la part. On va le voir avec la troisième slide, ces marqueurs de succès de la part de ce bio-incubateur que représente Aura Santé. On peut être fier.
Oui, on peut être fier. On existe maintenant depuis une vingtaine d'années, puisque le bio-incubateur a été créé en 1999. On fait partie de plusieurs grandes familles. On fait partie de la communauté des parcs d'innovation de la région de France. On fait partie de la communauté également des incubateurs ALEG, c'est-à-dire des incubateurs qui sont financés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. On a la chance d'avoir été sélectionnés. On est les seuls avec le Génopole à Évry en France parmi les meilleurs incubateurs en pharma et en biotech. On a accompagné aujourd'hui plus de 250 projets. Depuis la création de l'incubateur, on est en forte croissance puisque là aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on accompagne un peu plus de 90 projets depuis vraiment l'idée jusqu'à la deuxième levée de fonds qu'on appelle la levée de fonds de série A à travers trois programmes. Un programme qui s'appelle BioStart au tout début de la vie de l'entrepreneur. L'idée, c'est de pouvoir dérisquer le projet en quatre mois. Puis un programme de bio-incubation avec véritablement un accompagnement fort et individuel et de long cours, puisqu'en moyenne, l'incubation chez Eurasanté, c'est 36 mois d'incubation. Alors, ça dépend évidemment des secteurs d'activité. C'est un petit peu plus dans ce qui est pharma-biotech, c'est un petit peu moins dans ce qui est santé numérique, mais en moyenne, c'est 36 mois. Et ensuite, un programme de bio-accélération qui suit le programme d'incubation et dont font partie notamment X-Prochem et OpenStand Solutions qu'on a vu récemment ce matin, qui va les amener jusqu'à cette levée de fonds de série A pour véritablement décoller, scaler, etc. Voilà, c'est essentiel, on l'a vu dans cet accompagnement. Évidemment, le financement, c'est l'un des volets importants quand on monte un projet. Vous travaillez en collaboration, hein, je suppose. À quel moment se passe le dossier? Comment se passe l'échange entre vous quand vous avez une entreprise à Eurasanté qui aurait besoin du réseau, hein, éventuellement du clubster NSL? Vous travaillez en corrélation de manière permanente? Alors, on travaille au quotidien avec clubster NSL. Toutes les entreprises qui sont incubées et accélérées au sein du bio-incubateur et du bio-accélérateur font partie de Clubster NSL et sont accompagnées également par Clubster NSL. Alors, on va découvrir avec vous, Anne-Charles Pupin, le rôle de ce Clubster, ce qu'il représente, la taille, parce que c'est assez impressionnant. On a quelques données chiffrées, quelques présentations sur la prochaine slide. Expliquez-nous la force du Clubster nutrition, santé, longévité, qui est au rendez-vous. C'est un champ large, hein, déjà. Oui, c'est un champ qui est très large. Donc, on est labellisé pôle de compétitivité depuis 2005. Et on est en France le seul pôle de compétitivité qui, dès le début, s'est positionné à l'interface de la nutrition et de la santé. C'est lié d'une part à une spécificité territoriale. On le voyait tout à l'heure dans les zones d'excellence de la région. On a un vrai savoir-faire clinique en région. On a aussi beaucoup d'acteurs qui innovent dans le domaine des ingrédients santé, de la nutrition pour la prévention, pour la prise en charge des patients. Et tout ça, c'est vrai que ça est très spécifique à la région et c'est vraiment une expertise qu'on développe. Le pôle aujourd'hui, on a 335 adhérents. Voilà, ça fait à peu près un tiers des entreprises de la filière si on réfléchit au niveau régional. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que 80% de nos adhérents sont en région, mais le label pôle de compétitivité, c'est un label national. Donc, on a aussi des adhérents qui sont en dehors de la région Hauts-de-France et qui nous rejoignent pour le réseau et l'expertise qui est très présente chez nous et qui viennent chercher pour pouvoir collaborer et développer des projets d'innovation avec ces expertises en région. Nos adhérents, c'est qui ? Ce sont pour la majorité, à peu près 70% des entreprises qui développent des produits et services dans le domaine de la nutrition et de la santé. Et pour le reste, ça se répartit de façon équilibrée entre des acteurs du soin, le CHU de Lille, par exemple, l'Institut Fairfax qui nous a rejoint récemment, des centres académiques de recherche, des acteurs qui sont plus sur la formation des talents de demain et des partenaires de l'innovation, donc qui sont plutôt des cabinets de conseil. Et notre rôle, finalement, nous, on est sur la quatrième brique de tout à l'heure, c'est vraiment la mise en relation, créer des temps d'échange avec l'ensemble de ces acteurs, faciliter les mises en relation, les rencontres, les collaborations, et on va jusqu'à accompagner le montage de projets collaboratifs, en particulier les projets collaboratifs de R&D qui permettent d'une part de pousser des développements en s'appuyant sur des capacités de recherche académique et de rentrer finalement cette expertise dans les entreprises pour pousser des développements et amener les innovations sur le marché, et aussi d'aller chercher des financements au niveau national et européen pour booster finalement et accélérer ces projets de développement.
Alors, on peut parler peut-être de quelques entreprises dont on a aperçu aujourd'hui, ou des entreprises qui sont des marqueurs qui, au sein du Clubster NSL. Vous avez quelques exemples à nous donner de vitrines un peu? Dans les vitrines dont on a pu entendre parler récemment dans les grands groupes, il y a typiquement Le Safre, Roquette, qui ont fait énormément d'investissements là, dernièrement sur de la production, sur des expertises R&D, qui ont beaucoup de projets collaboratifs et qui investissent dans le domaine de la nutrition santé. On a aussi des PME qui ont des belles réussites en région. Je pense par exemple à Cousin Surgery qui développe des implants pour tout ce qui est chirurgie du rachis et la chirurgie viscérale. Là, on est vraiment dans l'expertise textile médicale très implantée en région. D'autres acteurs comme des lipofabriques par exemple qui utilisent des biotechnologies mais cette fois pour développer des solutions de biocontrôle et donc réduire l'usage de produits chimiques pour des utilisations agricoles et dans la perspective demain d'avoir aussi des utilisations plutôt dans le champ médical. Et puis voilà, donc un certain nombre de startups dont on a pu parler aujourd'hui et toutes les autres qui sont dans les Hauts-de-France. C'est impressionnant, là, on vous l'avait dit, 350 adhérents en chiffres. C'est impressionnant. Et vous accompagnez aussi les porteurs de projets, les entreprises sur leur développement à l'international avec ce pôle, voire au montage de projets européens. Il y avait une donnée chiffrée dans la présentation, c'est le nombre de projets. Le nombre de projets, je vois sur les ateliers, voilà, 140 partenaires de projets européens en cours. Ouais. C'est assez impressionnant. C'est une grosse activité, ça aussi, pour le Clubster. C'est clairement une grosse activité. Alors, à la fois, on accompagne les entreprises pour aller chercher ces financements et rentrer dans des consortiums, dans des collaborations, pour aller chercher ces financements européens. Mais nous-mêmes aussi, en tant que Clubster, il y a un certain nombre d'initiatives sur lesquelles on va chercher des financements européens. Ça nous permet de mailler et de rencontrer des partenaires dans d'autres pays européens, d'apprendre aussi de leur façon de travailler, de faire rencontrer leurs adhérents, leurs écosystèmes avec les nôtres. Et on en a beaucoup parlé, finalement, ce sont les rencontres qui amènent les innovations et ça nous permet du coup de dynamiser tout cet aspect-là. Alors, si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas à apporter sur l'ensemble de ces accompagnements, de ces structures. On en donne évidemment ici quelques échelles. Sachez que, bon, au niveau, souvent, une question qui revient souvent, c'est la porte d'entrée. Par quelle porte d'entrée faut-il frapper à la porte quand on a un projet? Et peut-être je vous pose la question à vous, mais j'ai une idée de la réponse, évidemment. J'ai envie de dire, vous nous contactez ne serait-ce que par le contact@clubsternsl.com et nous, on vous renverra tout de suite on va prendre contact avec vous et après, en fonction des problématiques, on va vous renvoyer vers les bonnes personnes. C'est clair que quelqu'un qui porte un projet, qui n'a pas encore créé son entreprise, mais qui a plein d'idées sur comment le mener, n'aura pas besoin du même accompagnement, des mêmes expertises qu'une PME qui a son troisième lancement de produit et qui vise à se développer cette fois, par exemple, dans les pays d'Europe de l'Est et d'Europe ou d'Asie, par exemple. Voilà, les interlocuteurs, les accompagnements ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, c'est vrai que nous, on joue ce rôle d'essayer d'orienter les gens au fur et à mesure de leurs besoins vers les bonnes structures d'accompagnement et aussi vers les bonnes mises en relation. Alors, c'est vrai qu'on a un exemple et j'ai envie de dire que c'est toute la richesse que nous avons sur le territoire des Hauts-de-France et que vous avez plusieurs possibilités d'être accompagné et vous voyez à quel point tout le monde travaille en cohésion. C'est ça qui est évidemment intéressant. Ce qu'on veut vous montrer dans le courant de ce troisième temps fort, surtout sur ces projets de santé, de nutrition, on a parfois une spécificité qui est technique, mais on a besoin d'un accompagnement soit de marché, de commerce, de relationnel. Et vous avez ici un exemple des portes d'entrée toutes valables. C'est-à-dire que l'important, c'est de frapper à une porte et d'aller encore plus loin. Parmi les portes auxquelles vous pouvez compter de manière ô combien dynamique pour développer vos projets et créer avec beaucoup d'ambition et d'innovation ce tissu économique. Vous pouvez compter évidemment sur le tissu des chambres de commerce et nous avons la chance d'avoir ici
en duplex, Christophe Chauvet, qui est élu à la Chambre de commerce et de l'industrie d'Amiens Picardie et qui est notamment représentant des pépinières d'entreprise Amiens Picardie. Et bonjour, monsieur Chauvet, merci d'être en direct avec nous en duplex pour ce moment. Alors, on a parlé beaucoup de structures d'accompagnement tout au long de ce troisième temps fort, et je ne sais pas si vous avez vu dans les attentes au tout départ, on a posé une question à celles et ceux qui nous suivent les télénotes, il y avait la question de se loger éventuellement, de se retrouver en pépinière, de trouver un lieu pour démarrer son projet. C'est quelque chose qui prend sens et qui est animé par les chambres de commerce. Hein. C'est notamment l'une des forces que vous portez pour la chambre de commerce. C'est bien cela, monsieur Chauvet? Tout à fait, tout à fait. Vous avez bien raison. Alors, c'est bien d'être considéré comme une porte, mais une porte, quelquefois, elle est fermée, ou la porte, elle est ouverte, comme les deux intervenants. Tout d'abord, je voulais excuser notre présidente Fanny Ruin qui malheureusement devait être présente et contrainte aujourd'hui. Je voudrais faire quelques rappels tout d'abord. Le secteur de la santé, c'est 2,5 millions de professionnels en France, soit 9% de l'emploi. Ce secteur de la santé, il est présent dans le quotidien de tous les citoyens et au cœur des territoires. C'est quelque chose qui est très important, on voit bien que ça diffuse jusqu'au bout. Ce secteur joue un rôle de premier ordre en matière de recherche et de développement. Et sa dynamique, elle est reconnue nationalement et internationalement. La CCI, Amiens Picardie, comme toutes les CCI, est un facilitateur pour les entrepreneurs. Elle est engagée dans la création, l'accueil et le développement des entreprises, bien évidemment. Nous avons lancé fin 99 avec la métropole d'Amiens, qui est le fruit d'un partenariat ancien et plus qu'efficace, une nouvelle pépinière qui s'appelle Biolab, qui est dédiée à la santé et à la nutrition. On va tout à fait dans le sens du Zillow Clubster. Cet ambitieux projet amiennois vient s'insérer au cœur du nouveau pôle santé Amiens-Précopole, Amiens Métropole, et correspond bien aux attentes d'Amiens Cluster, à proximité du CHU, à proximité du pôle des cliniques et de l'UPJV. Biolab, c'est 2000 m² de surface, 150 m² de laboratoire, 350 m² d'atelier alimentaire, bien évidemment des bureaux, le tout avec des services d'accompagnement, d'accueil qui sont importants et un accompagnement permanent permanent de la chambre de commerce qui sont à l'écoute, bien évidemment, de tous les personnes qui sont dans ces pépinières. Tout est prévu pour mettre à disposition un environnement optimal, propice à la recherche et à l'innovation. Cette dernière pépinière, c'est 3 millions d'euros d'investissement qui est cofinancé avec la métropole. Le lien avec Amiens Cluster, il est particulièrement pertinent par l'association avec d'autres problématiques, notamment celle des émissions des gaz à effet de serre. J'en ai entendu parler plusieurs fois dans la matinée. Pour que les innovations qui soient envisager et prennent en compte cette problématique. Et je voulais aussi vous rappeler quelque chose, le domaine de la santé, ça représente environ 8% des émissions nationales de gaz à effet de serre. J'ai pu noter avec beaucoup d'intérêt la présence de poseuses, de talents, d'open stand, qui sont trois occupants de nos pépinières. Les deux premiers dans la pépinière qui s'appelle Le Lab, parce que Biolab n'était pas créé, et la dernière dans Biolab. Ces pépinières, elles ont vraiment pour objectif d'accompagner, de conseiller et presque, si j'osais, de pouponner, d'orloter et chouchouter leurs occupants. Elles aident bien évidemment les jeunes pousses à grandir, se structurer, se déployer et prendre leur envol du nid que constituent ces pépinières. Une entreprise a 80% de chances complémentaires de survie en étant suivie dans une pépinière. Donc oui, notre porte est ouverte et oui, vous pouvez venir et nous vous accueillerons les bras ouverts. Merci pour cette présentation. On voit à quel point c'est riche, évidemment ce Biolab hein, qui remarque à quel point vous avez la chance hein, sur le territoire amiennois avec la Chambre de commerce et de l'industrie d'Amiens Picardie d'avoir ce Biolab qui témoigne de la force de tissu, de l'écosystème lié à la santé et à la nutrition que nous avons sur le territoire. Nous avons une vidéo qui présente un peu justement cette dynamique des pépinières ici sur le
le territoire amiénois, entre autres, hein, qui est bien représentatif de ce qu'on a pu voir depuis ce matin. C'est un peu une fierté de voir ici au Quai de l'Innovation à Amiens à quel point cette dynamique est bien présentée depuis ce matin. Est-ce que c'est les Amiénois, les gens du territoire ont conscience de cette force qui est présentée, qui est portée par l'ensemble de l'écosystème, dont la Chambre de commerce, Monsieur Chauvet? Je pense que oui, les Amiénois en ont conscience. Mais au-delà des Amiénois, c'est l'ensemble du territoire qui en a conscience. Parce qu'en fait, Amiens, c'est Amiens, mais moi je raisonne beaucoup plus globalement au niveau de l'ensemble du territoire de la Chambre de commerce, d'Amiens-Picardie, et au-delà, au niveau de la Chambre de région. Oui, on ne peut pas travailler seul, il faut travailler tous ensemble, et je pense que c'est une réelle chance que les citoyens du territoire connaissent. Mais ce n'est pas pour autant que s'ils la connaissent, ils osent encore venir et taper à la porte. Donc oui, entrer. Oui, l'université est performante. Oui, nous avons la chance d'avoir des laboratoires de recherche à proximité de la Chambre de commerce à Amiens et à proximité, notamment, on pourrait parler du laboratoire de recherche sur les batteries, sur le MIPI, qui est un centre de stockage de données. Ah, on est en train de vous perdre, monsieur Chauvet. Ah, ça y est, on vous a récupéré. Vous avez insisté sur l'importance de frapper à la porte, et c'est souvent ce qu'on remarque dans les rencontres de la recherche et de l'innovation. Quand on a des structures d'accompagnement, souvent on se pose du timing, de la temporalité. Justement, à partir de quel moment, quand on a l'idée du projet, à quel moment on peut oser venir dans un endroit qui représente une institution, une chambre de commerce. Hein, c'est parfois impressionnant pour un étudiant qui a un projet en tête, je vais venir voir si mon projet a du sens, ou chez Aura Santé, ou chez au Clubster. À partir de quel moment on peut venir voir un professionnel et voir si son projet a du sens et voir si on peut le créer? Dites-nous, monsieur Chauvet. Dès que l'on peut, parce que en fait, en fonction de la maturation du projet, on sera orienté, comme le disait juste avant en intervenant, on sera l'orienté vers la bonne personne, vers le bon endroit pour pouvoir être accueilli. Avant une pépinière, il y a un incubateur. Un incubateur, il va aussi prendre contact avec nous ensuite pour que l'on puisse accueillir correctement les personnes dans les pépinières. Donc, dès que vous pouvez, venez. Et il n'y a pas un point unique. Vous pouvez aller dans les incubateurs, téléphoner, appeler, envoyer des SMS, envoyer des mails comme vous voulez. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir vous répondre et on saura vous aiguiller le mieux possible. C'est ça l'importance. Ne passez pas à côté d'un projet. Voilà, on parle beaucoup parce qu'au tout début, on sait que nous avons des porteurs de projets qui nous écoutent, beaucoup d'étudiants aussi. Peut-être que ça donnera l'appétit de créer toujours davantage, de faire preuve d'innovation sur notre territoire. Merci beaucoup, monsieur Christophe Chauvet, élu à la Chambre de commerce d'Amiens-Picardie, représentant des pépinières d'entreprise d'Amiens-Picardie, dont on va voir une vidéo un instant de montrer à quel point ce tissu est dynamique ici sur le territoire. Merci beaucoup, Olivier Coupier, responsable du bio-incubateur Eura Santé, Anne-Charlotte Pupin, responsable du Clubster NSL. On voit à quel point cet écosystème est dynamique. Je vous propose de se quitter avec la vidéo sur le dynamisme du tissu des pépinières ici, porté entre autres par la Chambre de commerce d'Amiens Picardie. C'est parti. Voilà, on voit à quel point cette dynamique et cette vidéo, elle est très représentative, évidemment, de tout ce qu'on a pu vivre depuis ce matin. Avec moi, on a parlé beaucoup de structures d'accompagnement. On va parler d'une partie qui est
qui était parmi les trois réactions les plus favorables dans vos attentes pour monter vos projets, c'est-à-dire de financement. Et souvent, on va frapper à certains organismes qui sont combien importants, dont on a beaucoup parlé également depuis ce matin, qui sont évidemment des référents auprès de toutes les structures accompagnantes qu'on a eues depuis le début du projet. J'ai avec moi Valérie Taudon, vous êtes chargée d'affaires innovation à la BPI France. Nous avons Émilie Marcellet, chargée Europe et Innovation chez Hauts-de-France Innovation et Développement, qui anime notamment la totalité de ces rencontres de la recherche et du développement. J'ai avec moi Monsieur Covey, directeur de site de Uniter, et de Laurie Livemont, chef du projet groupe Euroject, dont on va parler évidemment à la fin. Alors, on a quelques témoignages et on a la chance d'avoir cette entreprise incroyable dont on a parlé en introduction avec Monsieur Anagest, président d'Amiens Métropole, pour dire que c'est une vraie fierté de nous avoir ici avec nous. Mais on va d'abord s'intéresser à ces deux structures, évidemment, à qui on vient souvent. On a parlé tout à l'heure de frapper à la porte. Bien, je pense qu'on va commencer peut-être avec la BPI, l'un des premiers partenaires, organismes auxquels on pense quand on vient chercher du financement. Bien souvent, c'est la BPI. On va donner quand même, parce que on a vu dès le départ qu'on avait des étudiants, des porteurs de projets, peut-être que parmi eux, certains ne connaissent pas la BPI. Peut-être en quelques mots, si on veut présenter ce que représente la BPI. Oui, alors BPI France, en fait, on est une structure qui est à l'échelle nationale, donc avec des implantations régionales. On a à peu près une cinquantaine d'implantations régionales, et plus particulièrement en Hauts-de-France. Donc, nous avons trois sites, un sur Lille, un sur Compiègne et également un sur Amiens. Donc, l'idée, c'est d'être à proximité des projets du territoire et aussi en lien avec les structures d'accompagnement dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est la proximité, et voilà, notre porte effectivement est aussi grande ouverte. Alors, je ne sais pas si je développe là déjà cette partie-ci. L'idée, alors vous venez instruire les dossiers des chargés de projet hein, pour voir les possibilités qui vous êtes offertes d'accompagner ces projets. Alors on va peut-être situer par rapport au territoire. Vous avez déjà parlé beaucoup de territoire. Alors, vous êtes installé ici sur le territoire amiénois, et puis vous avez des collègues également à Lille hein, sur la totalité, dont un profil, puisqu'on est sur une thématique un peu santé. Il y a aussi un accompagnement plus précis peut-être sur le domaine de la santé auprès de vos collègues sur Lillois. Oui, tout à fait. Oui. Effectivement, à Lille, l'équipe étant plus importante, en fait, j'ai une collègue qui est spécialisée dans le domaine de la santé, Marie-Laurence, hein, Descamps, voilà, comme ça, on la cite. Elle nous suit, hein, peut-être. Peut-être qu'elle nous suit, je ne sais pas. Et donc, sur Amiens et Compiègne, en fait, on est deux chargés d'affaires, donc Cédric qui est sur Compiègne, et donc moi-même sur Amiens, et là, on est multisecteur, mais je pense que la transversalité, comme on l'a dit, enfin, aussi une force, je pense. Donc voilà, on croise effectivement la santé avec le numérique, éventuellement des sujets de robotique, l'industrie au service de la santé. On le voit de plus en plus, et c'est vraiment très intéressant. C'est très très large, et puis évidemment parfois c'est des intérêts qui sont complémentaires, hein. On peut parler d'un domaine et puis à l'arrivée à un autre, on le témoigne déjà depuis ce matin. Et vous avez marqué l'importance de travailler en partenariat avec les différentes structures. On a parlé tout à l'heure d'Aura Santé, d'Amiens Cluster. Ça, c'est pour vous, c'est essentiel, c'est... Oui, tout à fait. C'est un point en fait qui est important au niveau de notre évaluation, le fait que les porteurs soient accompagnés ou les entreprises. Peut-être plus vrai encore, je pense, sur des jeunes sociétés, parce qu'on sent que c'est aussi le regard extérieur qui est important. Et après, on s'inscrit aussi. Enfin, c'est vrai qu'on est un petit peu particulier dans le sens où on s'adresse aussi bien vis-à-vis des institutionnels, mais également auprès de nos partenaires banquiers. Enfin, je pense que c'est aussi un point important. Et notre rôle, BPI France, c'est aussi d'entraîner la place bancaire que l'on voit de plus en plus quand même présente sur des projets d'innovation. Alors là, c'est intéressant, puisque évidemment, c'est avec vos partenaires bancaires et les fonds qui sont également dédiés à la BPI que vous venez accompagner l'innovation, la création d'entreprises ici sur le territoire. Et vous avez vu le nombre d'acteurs qu'on a eu depuis ce matin, qui ont souligné le soutien, les financements qui étaient liés à la BPI. Et il y a une question du timing dont on a parlé il y a un instant avec Monsieur Chauvet des chambres de commerce et avec l'ensemble des partenaires qui étaient avec nous. C'est le bon timing. Il ne faut pas avoir peur. On peut même venir, on n'a pas encore d'entreprise, on peut venir tout de suite. C'est important de venir assez vite dans le projet BPI.
Effectivement, c'est assez important de se rencontrer en amont peut-être de la création de la société, parce qu'en fait, je trouve que trop souvent, on rencontre des dépenses qui ont été financées sur des fonds personnels, alors que peut-être seraient, enfin, très probablement, pris en charge, par des dispositifs d'aide publique. Pour en fait donner un petit peu un exemple, les financements d'aide à l'innovation, c'est une partie État, mais on a également un partenariat qui est fort en région Hauts-de-France pour soutenir l'innovation. Concrètement, ça nous permet d'accompagner peut-être deux fois plus de projets, donc c'est une force. En tout cas, on le signale toujours à l'échelle nationale. Donc merci la région Hauts-de-France d'être à nos côtés. Et donc le timing, effectivement, puisqu'il y a une règle qui est forte, c'est une dépense ce qu'on appelle nous la date de prise en compte des dépenses. Donc un dépôt de dossier vaut la date de prise en, enfin vaut fait foi pour les dépenses futures. Donc n'hésitez pas, effectivement, à nous rencontrer, en amont de ces points-là. Et puis après, on affine. C'est essentiel, puisque pour les porteurs de projets, les entreprises qui veulent avoir, il y a un vrai partage de risque qui est fait de la part de la BPI. Une fois que vous instruisez le dossier, que vous y croyez, que vous le soutenez, même si on n'a pas de financement en fonds propres, et c'est souvent un discours qu'on n'entend pas souvent en réalité. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui est forcément acquis vis-à-vis de l'ensemble des porteurs de projets. La BPI peut quand même vous accompagner et instruire un dossier, dont l'intérêt de venir au plus tôt et d'avoir cette notion de partage de risque. D'ailleurs, votre accompagnement évolue aussi en fonction de c'est-à-dire qu'on peut faire appel à plusieurs fois en fonction d'évolution du projet, de la taille de l'entreprise, c'est bien cela? Tout à fait, on va de la start-up à des entreprises beaucoup plus importantes, et bien évidemment, les montants sont différents. Pareil, n'ayons pas peur des montants. On entend quelquefois BPI France, on parle en millions, mais non, on commence des aides à 15 000 euros. Donc, et ça permet aussi de phaser le projet, de dérisquer, d'aller rencontrer aussi au fil de l'eau les investisseurs. Et si on prend l'exemple de Pozos, peut-être, on a commencé par une bourse French Tech sur des montants, de mémoire, c'était 30 000 euros, pour après accompagner la société sur ses différents développements. Oui, parce que parfois, évidemment, on a le sentiment pour certains porteurs de projets, quand on a accompagnement, on leur parle tout de suite peut-être, ils imaginent qu'on va leur parler tout de suite en millions d'euros et ça peut parfois faire peur. Et là, il faut rassurer, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. On a des dispositifs qui permettent de pousser l'innovation, la création d'entreprises et on le voit dans ce partage de risques peut-être. Alors, vous avez quand même quelques conseils à nous donner pour celui qui veut déposer un projet. Bon, ce n'est pas tout de ne pas avoir de financement, mais par contre, il faut quand même avoir un dossier bien construit. Effectivement, dossier bien construit, c'est quand même d'avoir mis en avant, peut-être là, on est sur des sujets de santé ou de nutrition, des verrous technologiques, sinon ce n'est pas éligible à l'innovation, quand même premier béaba. Un point qu'on n'a pas abordé aussi, je pense que santé fait aussi foi sur des sujets de propriété intellectuelle. Donc, un point à ne pas négliger. Donc, on a aussi des partenariats forcément avec l'INPI, les conseillers en propriété intellectuelle. Donc, point important également à intégrer. Les aspects équipe et forcément les aspects financiers. Mais on est aussi là pour vous accompagner un petit peu sur le montage, pas optimum, mais d'essayer d'aider aussi un peu à cette ingénierie, entre guillemets, financière, quoi. Alors, on vous offre plusieurs fenêtres sur des accompagnements, sur des financements tout au long de ce moment fort. Et l'une des fenêtres, c'est évidemment d'aller chercher les financements européens. Et pour ça, on a la chance de pouvoir compter sur des experts du HDFID, dont vous, Émilie Marcellet. On va préciser peut-être, on va faire un focus sur un accompagnement, sur comment monter un projet européen, mais pas n'importe quel type de projet européen. On va faire ce focus-là, parce qu'il y a différents types de projets européens. Donc, de quoi va-t-on parler exactement? Tout à fait. Souvent, quand on parle de projets européens, les personnes, effectivement, quand ils recherchent des financements, pour le premier guichet, c'est l'innovation au niveau régional, mais notamment dans les projets de santé ou de nutrition, on peut avoir cette envergure européenne déjà dans le projet, même assez rapidement en amont. Et souvent, argent européen, on pense, vous connaissez sûrement le FEDER, donc c'est effectivement de l'argent européen, mais qui est réservé pour les acteurs
des Hauts-de-France. Et il y a également d'autres programmes où les Hauts-de-France sont éligibles, c'est de ce qu'on appelle Interreg, donc c'est de l'interrégional. Donc en fait, c'est les, il y a seulement certaines zones en Europe qui sont éligibles pour avoir ces projets. Et là, je voulais vous parler de Horizon Europe, qui est donc le nouveau programme qui suit Horizon 2020. Et là, c'est un programme de financement innovation et recherche européen, mais là où on est en compétition ou en partenariat avec tous les autres Européens des différents pays. Et c'est là où c'est un peu plus compétitif, forcément c'est plus difficile d'y aller. Et forcément là, le financeur, c'est l'Europe. Et l'Europe, ce qu'ils veulent, c'est que les Européens travaillent ensemble et développent de meilleures innovations et une meilleure recherche. Donc forcément, c'est du collaboratif, à part quelques programmes qui peuvent être en individuel. Et c'est là important où... de préciser, puisque là, on va vraiment faire un focus pour celles et ceux qui sont en train de monter un projet FEDER ou un projet Interreg, ou alors pour les étudiants qui sont en Erasmus, qui sont loin, on parle pas du... Là, on va faire un focus vraiment sur le projet Horizon Europe, parce que c'est un vrai potentiel sur le territoire Hauts-de-France. Et vous allez donner quelques petits conseils, justement. Parce que justement, c'est nouveau. Il y a 95,5 milliards d'euros sur la période 2021-2027. Et j'ai regardé pour la santé, c'est 8,25 milliards d'euros qui sont prévus. Et sur l'alimentation, bioéconomie, c'est 8,9 milliards. Donc, vous voyez, c'est vraiment quand même des montants très intéressants que l'on peut obtenir. Mais pour ça, il faut se faire, comme on l'a dit tout au long de la journée, se faire accompagner. Toutes les entreprises qu'on a pu voir ce matin ont vraiment... le type de potentiel pour aller sur ce type de programme, ainsi que des instituts comme Fairface ou Simu Santé, ont tout à fait le potentiel pour aller sur ce type de programme. Nous, comme on accompagne un petit peu les personnes, j'ai essayé de faire un schéma pour être rapide. On va le mettre en grand écran. On nous dit souvent qu'on comprend pas totalement à quel guichet s'adresser. Donc, le premier contact, c'est évidemment quand vous êtes dans un cluster comme Eurasanté, NSL, Amiens Cluster. C'est votre référent Europe de votre cluster, hein, c'est le plus simple. On travaille évidemment ensemble ensuite. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas dans ces clusters. Dans ces cas-là, vous pouvez nous contacter directement. Mais sinon, le premier contact, c'est évidemment les personnes de proximité, on va dire. Nous, ce qu'on va apporter au niveau d'HDFID, c'est des outils supplémentaires. Notamment, je voulais vous en évoquer deux sur la maturation de projet. Donc, c'est vraiment pour passer de l'idée au projet en fait européen. On a InnoLoop, c'est une start-up des Hauts-de-France qui a inventé ce système, puisque les personnes qui ont déjà essayé d'aller regarder les appels à projets européens le savent, c'est quand même assez complexe. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de sujets possibles d'appels d'offres. Et donc là, c'est une intelligence artificielle qui va chercher tous les bons sujets qui pourraient correspondre à votre idée de projet. Voilà, et donc là, on a l'outil et on le met à disposition des personnes du RERI. Donc, ça nous permet d'aller plus rapidement trouver le bon appel à projet. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est forcément de se dire, bon, comme c'est du collaboratif, donc peut-être que je connais, par exemple, une ou deux personnes en Europe, mais j'ai pas tout le monde. Il me faudrait un partenaire italien, je ne connais personne en Italie dans mon sujet. Donc, on a pour ça Entreprise Europe Network. C'est un réseau européen cette fois, avec lequel on peut vraiment trouver des partenaires. Donc on peut compléter un consortium quand on a son idée de projet et qu'on veut ajouter des partenaires. Et ça peut aider aussi aux personnes qui, par exemple, veulent seulement être partenaires. Ils vont pas monter tout le projet avec 15 partenaires et le coordonner. Ils veulent seulement être partenaires. Ils ont une expertise forte, notamment les startups, comme on a pu voir ce matin. Par exemple, on a déjà évoqué les sujets avec Pozos ou OpenStent actuellement. C'est j'ai une expertise, je la mets en valeur et Entreprise Europe vous aide à devenir partenaire d'un projet européen. Ça peut être une bonne première marche pour y aller. Ensuite, on a la phase donc vraiment montage du projet et c'est là où il y a les dispositifs de la région Hauts-de-France, notamment ce qu'on appelle le FRAP, c'est un mot qu'on retient bien généralement, c'est le dispositif d'accompagnement, donc c'est financier là, pour quelque part aider le financement de consultants spécialisés, puisque seul, on a quand même moins de chances de gagner. On est en compétition avec tous les autres, et donc on peut gagner des points
avec des consultants spécialisés qui vont être rémunérés par la région. Et dernier accompagnement, comme ça je finis un petit peu le schéma, tout au long en fait de ces processus-là, on a la chance aussi d'avoir une mission Europe à Bruxelles qui soutient tous les projets des Hauts-de-France et qui va vraiment faciliter. Parce que bon, vous le savez, les projets européens, ça se passe quand même à Bruxelles. Donc on a une personne, plusieurs personnes sur place là-bas qui peuvent vous aider aussi, donc qui travaillent avec nous. Voilà un petit peu le dispositif. Merci beaucoup. Je pense que c'est très clair. Je vous rappelle que vous allez pouvoir retrouver toutes ces données, évidemment, en replay et à votre disposition sur HDFID. C'est cet organe que nous avons la chance d'avoir sur le territoire pour pousser l'innovation, le développement et vous accompagner pour votre projet européen. Si vous avez suivi les rencontres de la recherche et de l'innovation, les 15 événements, on a parlé beaucoup d'Europe, d'entreprises qui ont été accompagnées pour réaliser justement leur projet européen. Et ce qui a été un facteur du succès entre celles et ceux qui ont réussi, qui ont marqué des points pour obtenir ces financements, et c'est l'accompagnement, ça a été déterminant dans tous les événements. Ceux qui ont eu un cabinet de consultant par le dispositif FRAP, c'est vraiment un gage de succès qu'il faut absolument, qui est vraiment révélateur d'efficacité sur les exemples qui ont été donnés sur l'ensemble de ces rencontres de la recherche et de l'innovation. Merci beaucoup à tous les deux du PPI et HDFID, des points de contact encore une fois pour réaliser vos projets et aller encore plus loin. On va aller encore plus loin, c'est de vous témoigner de projets qui se sont réalisés. On va retrouver en duplex Maximilien Vanlen. Alors j'espère Vanlin ou Vanlen, j'espère que je prononce bien. Vanlen. Vanlen, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes chargé de projet collaboratif au Clubster NSL. Alors on ne parle pas d'un projet porté par le dispositif Horizon ni FEDER, mais là on va parler d'un projet Interreg, donc c'est l'intermédiaire, hein, c'est interrégional. Néanmoins, c'est un beau succès européen. Vous allez nous montrer à quel point on peut réussir ces projets avec un projet qui s'appelle le projet Cobra que vous portez pour le Clubster NSL, entre autres. Alors, expliquez-nous un peu quel est ce projet, justement. Donc, le projet Cobra est un projet qui, à l'origine, se base sur une très forte collaboration entre l'équipe du laboratoire Cristal de l'Université de Lille, portée par le professeur Merzouki, et le Centre de lutte contre le cancer Oscar Lambret, avec le docteur David Pasquier, voilà, que vous voyez ici. Collaboration démarrée en 2008 et qui a permis le développement d'un premier concept de robot et de guidage automatisé du geste médical en curithérapie pour traiter les tumeurs de la prostate. Ce projet a permis ensuite d'évoluer vers une étape supplémentaire qui était d'améliorer encore plus la précision du geste apporté par le robot, mais qui avait besoin d'un guidage plus précis par une imagerie plus précise, donc le best-of étant l'imagerie IRM et un contrôle en temps réel. Ceci dit, l'IRM est un environnement très challenging en anglais, puisque c'est un champ magnétique extrêmement fort et un petit volume, comme vous pouvez voir ici illustré, le robot étant placé sous le patient. Ah oui, c'est l'élément qu'on voit sous le patient là, actuellement. Exactement. Donc, à la base, comme je disais, un partenaire clinicien, un partenaire spécialisé dans tout ce qui est automatique et robotique. Et ensuite, ce consortium a en effet postulé pour ce guichet Interreg des deux mers. Donc, il s'agit donc des Hauts-de-France, Angleterre, Belgique et Pays-Bas. Sachant que ce type de guichet vise surtout à des thématiques identifiées au niveau du territoire, avec un impact médical et social voulu par l'Europe au niveau de ces territoires. Et donc, malheureusement, le cancer est une des thématiques santé phares dans nos régions. Alors, vous avez plusieurs parmi ces objectifs et le bilan déjà de ce projet Cobra. On peut déjà marquer un premier bilan de ce qui a été fait, ce qui a été présenté. Je pense qu'on avait quelques vidéos. Alors, je ne sais pas si on les a ou pas. Peut-être que vous pourrez nous dire pour présenter justement ce gage de succès de ce projet Interreg que nous avons la chance d'avoir entamé, hein, entre autres ici sur le territoire des Hauts-de-France avec l'importance du Clubster NSL. Alors, je vous laisse peut-être nous expliquer les vidéos, justement, ce qu'on va voir en image d'ici quelques instants.
Tout à fait. Donc, le robot consiste en un robot guide qui va placer l'aiguille que vous voyez ici. Cette aiguille est capable de se tordre, ce qui permet un meilleur guidage justement des cathéters vers la tumeur et le dépôt de petites graines radioactives qui vont apporter justement la dose létale pour les cellules cancéreuses sans détruire les tissus tout autour. Donc, ce dispositif a été développé par une équipe de l'Université technologique de Delft aux Pays-Bas. Voilà, elle peut se déplacer de droite ou à gauche. Ici, vous avez le module de calcul automatique et en temps réel de la meilleure trajectoire justement du cathéter pour atteindre les cibles que vous voyez ici en rouge, qui permet d'atteindre un plus grand volume au niveau de l'organe touché. Ici, c'est la prostate qui était visée. Ça, c'est développé vers l'université de Portsmouth. Ici, vous avez donc le robot guide développé par l'Université de Lille, qui a 6 degrés de liberté, comme on dit, et donc est capable de faire de la translation, rotation, translation, et amène, comme vous voyez, l'aiguille cathéter jusqu'au l'organe, perfore la peau et atteint l'organe le plus précisément possible. Vous voyez ici le module de biopsie, donc chargé de prélever de façon la plus précise possible les tissus et pouvoir caractériser justement la malignité de la tumeur, développé par l'entreprise Demcon aux Pays-Bas. Et ici, vous devriez voir, voilà, un logarithme développé par le centre Oscar-Lambré qui permet à partir d'une image IRM de créer un facsimilé de scanner CT permettant de calculer la dose de radiation nécessaire pour pouvoir irradier la tumeur sans irradier les tissus tout autour. Et tout ceci en temps réel, permettant donc d'adapter l'intervention au cours justement du placement des noyaux radioactifs. Et enfin, ici, vous voyez le système qui va charger les noyaux radioactifs au sein du cathéter. Avec, vous voyez ici le mandrel qui avance et pousse. Nous devrions avoir un zoom, voilà, qui pousse la petite graine radioactive au sein du cathéter. Et comme vous pouvez voir, tous les matériaux ici sont des polymères ou des métaux amagnétiques qui permettent donc de travailler dans le champ magnétique de l'IRM. Ça a été un des challenges technologiques les plus importants du projet. Voilà, bah je vous remercie beaucoup Maximilien pour cette démonstration exceptionnelle. Heureusement que c'est des robots, des machines, hein. J'en ai vu certains ici sur le plateau, dont moi, qui ont failli tourner de l'œil, hein, en voyant cette aiguille transpercée, mais on voit à quel point cette innovation technologique montée grâce à ce projet Interreg a un sens incroyable, et une belle avancée, une belle démonstration de projet européen. Je vous remercie beaucoup d'avoir été en duplex, évidemment pour ce moment. J'ai la chance d'avoir ici, et on a commencé avec vous pour terminer et vivre ce moment, d'avoir l'entreprise Unitaire qui est avec nous. C'est une vraie chance pour les vidéos. On a la chance d'avoir ici une entreprise déjà du territoire et qui aujourd'hui est devenue l'un des leaders, on veut dire, si ce n'est, je veux dire le mot, le leader, hein, le leader mondial de l'Unidose, de l'Unidose. Et donc, évidemment, quand on se porte avec un leader mondial tel que vous pour trouver des solutions techniques, monter un projet européen, eh bien, on est ravis de le mettre en lumière, surtout quand il est autant d'actualité. Alors, on va parler du projet. Alors, en quelques mots, on a quelques minutes à partager, mais l'idée, c'est évidemment de découvrir ensemble quel est ce projet Euroject. Alors, j'ai avec moi Monsieur Covey, qui est directeur de site, et Laurie Livemont, qui est chef de projet du groupe Euroject. Qui va me présenter le projet en question? Eh bien, je vous en prie, Laurie. Donc, Euroject, pour Unitaire, c'est quoi? C'est une dose qu'on va fabriquer avec notre procédé sur lequel on est leader mondial, avec laquelle on va remplir un vaccin, et on va venir connecter une aiguille pour délivrer le vaccin aux patients.
Cette solution présente beaucoup d'avantages, notamment de production, avec une forte capacité de production. Hein, vous l'avez dit, donc on envisage à terme une production de 1 milliard de doses de vaccins. Donc c'est une grosse capacité pour la Covid, mais aussi d'autres pandémies qui pourraient arriver malheureusement dans les années à venir. Et également aussi une protection au niveau du patient, car la production d'unidose se fait en une seule étape sur laquelle on va venir remplir le vaccin et former la dose en même temps, donc dans un environnement aseptique, donc permettant une sécurité pour le patient au niveau de la stérilité, mais aussi d'éviter tout problème d'approvisionnement, puisqu'on n'a pas besoin de venir approvisionner des flacons, des bouchons, des seringues pour le remplissage, puisqu'on fait tout en une même étape. Donc ça permet aussi de sécuriser cette production de vaccins sur un sol français qui en manquait un petit peu. C'est incroyable. Vous, en tant que directeur de site, il y a une fierté d'accueillir un tel projet ? Oui, il y a une grande fierté, effectivement. Cette crise Covid, il y a eu des hauts et des bas, en fait. Ça a été pour nous une baisse d'activité importante parce qu'on a été impacté négativement, en fait, sur ce qu'on était en train de fabriquer sur le site. Mais j'ai envie de dire, c'est dans cette adversité qu'on s'est posé des questions, où il y a eu finalement un concours de circonstances, des clients qui ont commencé à nous solliciter, des technologies qui arrivaient de l'autre côté de l'Atlantique, sur lesquelles on a été sollicité aussi. Et puis, notre technologie qu'on connaît très bien, et on s'est dit, on a un rôle à jouer là-dedans. C'est comme ça que ça a émergé. Et puis ensuite, je tiens aussi à le dire, c'est que j'ai rencontré des personnes sur le territoire, à la directe, à la préfecture, à l'agglomération, à la région, où on a commencé à se rencontrer et à présenter un petit peu cette idée qu'on avait. Et je pense que ça a été bien dit, en fait, c'est à travers finalement ces rencontres où on s'est dit, il y a possibilité de faire quelque chose, c'est intéressant. Et puis, il y a eu tout cet accompagnement en disant, en plus, vous tombez à un moment où il y a des appels à projets. Nous, on ne les avait pas identifiés personnellement. C'est vrai qu'en grande entreprise, on a moins tendance à regarder tous ces systèmes d'aide parce qu'on se dit, c'est plus pour nous. Et en fait, la réalité, c'est que dans le plan de relance, il y avait quelque chose pour nous qui nous a été présenté. On nous a aidé, en fait, à monter ce dossier. Ce n'était pas simple. On a monté ce dossier. Ça a été un rythme effréné. On a fait ça en quelques semaines. Et puis derrière, effectivement, ce financement très, très intéressant, c'est pas le financement qui a fait le projet, mais c'est le financement qui a permis au projet d'exister. Parce qu'en fait, l'idée, elle vient de l'environnement, elle vient des besoins, elle vient de notre environnement. Par contre, sans cet accompagnement, je pense qu'on aurait eu du mal à y aller tout seul. Et là, en fait, c'est la congruence en fait, de l'ensemble de ces éléments, de l'ensemble de ces rencontres, l'ensemble de ces facteurs qui ont fait qu'on va pouvoir faire cette aventure sur le site d'Amiens. Pour le site d'Amiens, c'est énorme parce que c'est une façon de se projeter dans les 5-10 prochaines années de façon très positive. Donc voilà, c'est une très belle réussite en région. Voilà, écoutez, on est très fiers en tout cas de vous porter. Alors, on pourrait faire une émission rien que sur ce projet Euroject et cette dynamique engagée par l'entreprise Unitaire ici sur le territoire. On arrive au bout malheureusement de cette matinée dédiée à la santé, à la nutrition et à l'ère des nouvelles technologies. On voit à quel point ça prend place. On vous a mis ici tous les contacts évidemment dont on a parlé dans ce troisième temps fort, y compris les témoignages de projets européens ô combien innovants et ô combien important en cours sur le territoire des Hauts-de-France. Je vous remercie, je vous laisse regagner vos places et je vous remercie beaucoup pour vous, vous tous, vos témoignages et vos rôles au cours de cette matinée. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Pour terminer avec moi la matinée, eh bien, je vous invite à accueillir avec moi Anne Pinon, qui est vice-présidente à l'enseignement supérieur et à la recherche à Amiens Métropole. Et non, c'est Elodie qui serait avec nous. Alors, évidemment, c'est important de marquer pour Amiens Métropole ce Merci, moment d'échange, salut. Cette force ici avec nous. On a parlé de beaucoup de choses. Tu veux bien me recevoir quand même. Avec grand plaisir, avec je grand plaisir. Anne Pinon, qui s'excuse de ne pouvoir être présente, donc vice-présidente à l'enseignement supérieur et à la recherche à Amiens Métropole. Et donc, je suis ravie de participer une fois de plus à ces rencontres de la recherche et l'innovation et d'être présente aujourd'hui. Voilà, il le dit Gigot. Alors, si on veut conclure un petit peu cet événement, la dernière journée d'ailleurs de ces rencontres de la recherche et de l'innovation qui se termine ici, au Quai de l'Innovation, à Amiens.
Effectivement, il me revient de conclure cette manifestation, cette matinée. Waouh, bravo pour les interventions, elles ont été vraiment remarquables. Je ne suis pas déçue, mais au vu du parterre qui était programmé, je n'avais aucun doute. Bravo, nous espérons donc pour ceux qui ont participé, qui sont donc présents aujourd'hui ou en visio, que ce plateau a répondu à toutes vos attentes, ou au moins suscité un intérêt pour collaborer dans des projets de santé. Merci. Merci également à tous ceux et celles qui sont donc nos partenaires sur cet événement. Amiens Métropole, effectivement, s'est associé avec des 5 pilotes, dont CCI Amiens Picardie, Amiens Cluster, le cluster NSL, EuraSanté et CEA Tech. Et on fait donc de ce temps fort un vrai succès. Merci à ceux qui ont organisé, qui sont derrière les caméras. L'équipe d'Amiens Métropole, le service développement économique, l'enseignement supérieur, les équipes techniques également qui se sont mobilisées. Et puis, on a réussi à faire intervenir donc, tous les partenaires de santé. L'Institut Fairface, avec la présence donc, de notre invité d'honneur, le professeur de Vauchel, qui inaugurera en 2022 donc, l'Institut Fairface, le CHU, Amiens Picardie, le Gréco, BPI et les 6 start-up que l'on a pu voir. Je tenais à remercier la région qui organise donc ce rendez-vous annuel de la recherche et l'innovation, qui pour nous permet effectivement et l'occasion de montrer la dynamique régionale et les passerelles possibles entre les entreprises et le monde de la recherche. À travers ces témoignages, aujourd'hui, on a pu voir les potentiels de développement. On parlait de portes ouvertes, donc n'hésitez pas à ouvrir, à taper aux portes des labos, des centres de transfert. Les réseaux d'accompagnement sont là pour vous accompagner. Ils vous accompagnent au niveau technique, au niveau financier. Donc, soyez ambitieux, mobilisez les appels à projets, les appels à manifestations. Je crois qu'aujourd'hui, l'État aspire à faire de la France la première nation européenne en innovation. Et on a tout sur le territoire des Hauts-de-France aujourd'hui pour capter des projets et contribuer à atteindre l'objectif de mettre la France comme nation européenne en innovation. Merci beaucoup. Il y a 2 événements également qui ont lieu en cette journée, sur le tourisme et l'entrepreneuriat. Je vous invite à y participer. C'est riche également de contenu. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Élodie Gigot, pour Amiens Métropole. Et évidemment, pour l'ensemble de cet accueil ici au Quai d'Innovation, vous pouvez effectivement saluer avec nous. Allez-y. Petite précision. Mon prénom, c'est Émilie. Ah oui, Émilie Gigot, pardon, excusez-moi. Je suis baptisée. Oui, voilà, bah, écoutez. En fin d'après-midi, après 3 heures d'ensemble. Sachez-le, vous allez pouvoir revivre en replay, évidemment, tous les échanges de la part des intervenants. Vous pouvez continuer, évidemment, à prendre contact avec eux, à enrichir ce réseau. N'hésitez pas, on l'a dit plusieurs fois, poussez les portes et que la santé soit bien au rendez-vous, la nutrition également, à l'ère des nouvelles technologies. Prenez soin de vous. Voilà, merci beaucoup, merci encore à toutes les équipes techniques. On vous souhaite à tous une excellente journée. À 14h, c'est rendez-vous Tourisme du Futur. À 17h, Osez l'entrepreneuriat. C'est pas fini pour les rencontres de la recherche et l'innovation. Bonne journée à tous.